Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Excusez-moi pour le léger retard. Donc merci de nous avoir rejoints. Donc je suis Nora, vous êtes sur LGC2 et là ce soir nous sommes en vibratelier. Donc c'est un atelier. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le système. Pour les nouveaux, je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir. On a un atelier assez spécial qui était très 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 attendu, qui est un atelier qui va se consacrer au maître nombre. Donc le 11, le 22, le 33. Voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est du 40. Du 55, tout ça. Donc Cyriliel nous dira comment obtenir ces numéros, ces nombres pour savoir si vous êtes des maîtres nombres ou pas. Mais en tout cas, je vous remercie énormément de nous avoir rejoints ce soir. Excusez-moi, il y a eu un petit léger souci technique du côté de Cyriliel, mais je vois qu'il est arrivé, donc tant mieux. Bonsoir Cyriliel. Bonsoir à tous, désolé. Petit problème. Ben, on se voit, il n'y a que ça, de toute façon. Mais je commence à être habitué maintenant. Ça va. Ah, je gère. Tu gères la force obscure, c'est bon, tu gères. Et puis oui, c'est vrai qu'il a dû redémarrer son ordinateur à 20h pile. Voilà, donc ouais, le temps de relancer. Bon, bah, c'est bon, tout est en place. Je t'ai envoyé un email hein, avec ce qu'il faut. Oui. Donc oui, c'est bien de m'envoyer les infos à 20h pile aussi. Et donc, j'ai calé tout ça. Ça, c'est pour ton fameux calcul de cette semaine-là. Parce que moi, j'ai dû faire les services après-vente derrière, je te le dis pas. Oui, pardon. Alors, sur la page Facebook… Ils n'ont pas compris. Ah, il faut leur expliquer. Parce qu'il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Hein. Non, mais c'est parce que j'en ai donné trop des infos. Mais elles étaient bonnes, mais elles étaient mal placées. C'est tout. C'est sur la page Facebook de la chaîne. Effectivement, j'ai mis une info concernant le vibratelier de ce soir où j'avais indiqué donc, le calcul de base. Donc, on additionne tous les chiffres et puis ça nous donne donc, un nombre. Et c'est celui-ci qu'on regarde pour savoir si on a le 11, 22, 33 qui ressort. À ce moment-là, il ne faut pas les réduire à un chiffre en dessous de inférieur à 10, donc entre 1 et 9, les cycles normaux. Et j'avais rajouté un autre calcul. Ouais. Qui existe, mais qui veut dire autre chose, et ça embrouille un petit peu tout le monde. Donc, en fait, c'est un calcul. Je te dis direct. Déjà, ça ne va pas. Alors, non, mais je l'ai enlevé après. Tout de suite, parce qu'il faut quand même que les gens le sachent. Et après, toi, tu me sors un truc. Alors, après, c'est bon, les gens ne comprennent plus. Là, tu m'as flingué 6 mois de travail, quoi. Je veux dire, repartons à zéro. Alors, on va repartir à zéro ce soir, effectivement. Hein, on va remettre l'église au milieu du village parce que là, ouais. C'est comme ça qu'on dit. C'est joli ton chapeau en fait, hein. ça te va bien. Je suis dans l'ambiance, moi. Je me suis ambiancée ce soir. Donc, il y a même la petite musique de Noël. Tu vois. Hein, on va transpirer des dents, hein, c'est mieux. C'est ça. Je vais prendre quelques petits commentaires parce que vous êtes nombreux à nous avoir déjà rejoints ce soir. Alors, il y a Universel qui est présente et qui nous dit « Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chère Nora et Cyriliel. Quel plaisir de vous retrouver et un grand merci pour ce vibratelier. » Merci beaucoup, Universel âme. Thierry qui est là et qui nous dit « Bonsoir, Nora et Cyriliel, ainsi qu'à toutes les belles lumières présentes ce soir. C'est un vrai bonheur que de vous retrouver ce soir. Belle vibra à tous et à toutes. » Georgine qui nous dit « Je suis tellement heureuse d'être là. » Ça titille, hein, on a envie de le dire. Je suis tellement contente d'être là. Vraiment heureuse d'être là. C'est comme ça qu'on dit avec René. René m'a amené là, c'était vraiment fun. J'ai vraiment envie. Merci beaucoup, Jordine. Ensuite, Verte Nature, donc notre princesse planétaire qui est dans le coin, qui nous dit « Bonsoir à tous, bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel. » Là, ça vibre déjà avant même d'avoir commencé. Alors ce soir, l'ambiance est encore un peu plus crescendo. Merci pour ces immenses bons que nous faisons tous ensemble. Le carnet de notes est prêt pour les calculs. Merci beaucoup. Je vais bien sûr faire passer tous les messages de bienvenue, comme ça sera enregistré dans le cours par vidéo. Mais tout de suite, voilà, Verte Nature nous parle de calcul. Est-ce que vous pouvez repartir à la base, s'il te plaît? On va essayer de remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que on était parti sur une base de calcul simple, hein, où on additionne tous les nombres de la date de naissance. Pour que vous sachiez, alors je sais qu'il y a des numérologues ce soir, je sais qu'ils sont là, ils attendent, ils ont le couteau entre les dents, les deux mitraillettes comme ça après à dégainer. Juste pour vous dire, pour que ce soit clair, l'enseignement que j'ai reçu et que je donne,
est certainement celui qui a inspiré les gens qui ont ensuite décliné les chiffres, trouvé des informations dans les nombres. Effectivement, les nombres, en fait, ils vont toujours vous donner des informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre chaque nombre, et ça, c'est la base mathématique, déjà, le cerveau humain, il fonctionne d'une certaine façon que, déjà, quand on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a l'impression que c'est vraiment rapproché. C'est-à-dire que, voilà, ces 9 chiffres sont dans une décimale et cette décimale représente, on va dire, voilà, quelque chose de très rapproché. Il faut que vous sachiez qu'entre 1 et 2, il y a l'infini. Entre 2 et 3, il y a l'infini. Entre 3 et 4, il y a l'infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une infinité d'informations qui se véhiculent entre chaque nombre. Et que les nombres, même si on leur donne des thèmes, même si on leur donne des vibrations, même si on leur donne une énergie, ces nombres sont avant tout des repères dans l'infini. Donc, s'il y a une infinité entre chaque nombre, ça veut dire qu'il y a une infinité d'informations, de méthodes de calcul, de choses qui vont, vous apparaître dans les nombres. Alors, un médium, il va regarder une date de naissance, ça va être pour lui, ça va être comme un code barre, il va scanner, clic, il va avoir des infos. Moi, c'est au niveau calcul, au niveau inclinaison et au niveau de votre alignement. Mais l'addition de base de tous ces nombres vous donne un résultat. Tout autre calcul est une information secondaire. Voilà. Quand on va parler en termes de nombres, de cycles de vie, hein, on l'a déjà expliqué, hein, on vous invite à regarder. Moi, au-delà du cycle de vie, le nombre que je vais trouver va m'indiquer dans quelle fréquence vous vibrez. Alors, c'est vrai qu'en numérologie, on récupère ces fréquences et on leur donne des thèmes. Ces thèmes sont justes, ils sont basés sur des anciens savoirs, ils sont bien antécédents à la numérologie, d'accord ? Donc, effectivement, moi, je me sers de ces calculs pour pouvoir trouver l'alignement d'une personne et ce que vous appelez le chemin de vie. Mais pour moi, c'est plus une vibration. C'est-à-dire que la personne va être conditionnée, sa vie va être conditionnée en fonction, un, de son alignement et de ce chemin de vie. Mais le chemin de vie est primordial. Il passe même avant l'alignement. Donc, je ne sais pas quel calcul tu avais mis. Je pense que tu avais fait le calcul du mois, ensuite, non, de la, du jour, du mois. J'avais mis deux calculs. Donc, le premier, c'est le simple. C'est celui où tu additionnes chiffre par chiffre, jour, mois, année. Tu vas jusqu'au total. Voilà. Et c'est celui-ci donc qu'on utilise, c'est le basique, le plus important. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais rajouté un autre calcul où on additionnait d'abord le mois, le jour, ensuite le mois, ensuite l'année, et ensuite on faisait l'addition de ces trois nombres, ce qui donnait encore quelque chose. Et c'est celui-ci qui n'est pas bon. Voilà, parce que déjà, bon, on va être clair, aujourd'hui on parle des maîtres nombres. Donc des nombres, les nombres 11, 22 et 33 en particulier. On verra les 44, on verra peut-être d'autres nombres. Okay. Déjà, dites-vous une chose. En sachant qu'on est dans une décimale et que le nombre maximum peut être 9. Juste ça, hein. Je ne veux pas faire sentir les gens stupides, mais au bout d'un moment, il faut que vous appreniez à réfléchir par vous-même. D'accord ? À partir du moment où le nombre principal est 9 et que vous avez donc une conjoncture avec 3 catégories, quel est le nombre maximum que vous pouvez trouver ? Non. Pardon, excuse-moi, je vais passer les messages. Tu disais le chiffre maximum, c'est 9. Donc, quel est le nombre maximum qu'on peut trouver à ce moment-là ? Si on additionne et qu'on réduit, ça va être 9. On va être en dessous, dans un chiffre inférieur à 10. Voilà, donc c'est 9 plus 9 plus 9. 9 plus 9 plus 9, ça fait combien ? 3 fois 9, 27. Il est où le 33 ? Ah ! Donc si on ne peut pas aller jusqu'à 33, le calcul n'est pas valable. C'est tout. Vu que le nombre maximum qui peut être trouvé est 27, il est où le 33 ? Merci. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a eu que des réponses de 11 et 22 et pas de 33 avec le deuxième calcul. Forcément. Moi, j'en ai eu une. Elle m'a dit, mais en fait, je suis 6. Ok, bon, si tu veux. Allez. Bon, voilà, on a remis l'église au milieu du village. Donc,
Pour, voilà, pour vraiment les choses complètement. Donc déjà, aujourd'hui, on va Désolée parler. encore pour tous les messages que tu as Non, eus, des 33 qui ne se sont pas reconnus donc dans la deuxxième méthode de calcul. parce que déjà, il vient de te voir. Il te dit, de toute façon, Nora, elle a dit un truc. Ouais, et puis voilà, alors moi, je suis pas. Alors, non, j'ai autre chose à faire dans la journée. Désolée, mais j'ai donné les autres versions. Alors, ce calcul, par contre, donc le deuxième n'est pas non plus à mettre entièrement à la poubelle. Il signifie quelque Le chose, mais deuxième calcul ce n'est pas est le chemin de un vie ici. annexe, est un apport à l'information de base important. Par exemple, quelqu'un qui va être un métanova, et pour connaître peut-être le niveau de son métanova, on va trouver, oui, effectivement, quelqu'un qui va avoir un chemin de vie 4, et puis justement, avec le calcul des trois conjonctures, on va trouver 22. Ah, tiens, qu'est-ce qui se cache là? Ça peut être une information complémentaire. Mais l'information de base, d'accord, c'est ça. Alors, une vibration maître, c'est quoi? Alors, je voulais commencer par là. D'ailleurs, on refera un point là-dessus, parce que je sais que déjà les gens ils sont perdus, ils commencent à saigner du nez, là, les calculatrices, ça doit aller dans tous les sens. on va regarder déjà qu'est-ce qu'une vibration maître. Donc, on va faire un petit retour. Déjà. Je voulais réciter. Je voulais vous donner justement, parce qu'il va falloir comprendre quelle est la mission de ces vibrations maîtres. Il va falloir comprendre pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi ils sont là, quel est leur rôle. Il y en a beaucoup, je pense, dans l'auditoire ce soir, donc il est important qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Donc je vais lire ce qu'on appelle, alors c'est un mantra, une prière, vous l'appelez comme vous voulez, qui s'appelle la grande invocation. Donc ça, c'est important. Chaque maître incarné doit comprendre ce qui est inscrit dans cette grande invocation. Tu vois, Alice Bailey a écrit cette grande invocation et il est vraiment important de connaître, de savoir. Alors, je ne sais pas comment elle a reçu cette lumière, mais tout est là. Alors, voilà la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière amour et puissance restaurent le plan sur terre. D'accord? Donc là, on a déjà deux indications dans cette grande invocation. Il y a un plan. Et ce plan, les maîtres le connaissent et le servent. Là, c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc ça, il est vraiment important de saisir ça. Est-ce que tu peux mettre à l'image. On va mettre à l'image. Tu te rappelles, dans le vibratelier, on avait montré la fragmentation au niveau. Bon, là, on a pris un contexte judéo-chrétien, mais on avait mis la fragmentation de la lumière, justement, et on avait élaboré donc le cœur angélique, toutes ces choses-là, comment ça se passe. Après, je prendrai aussi le contrôle du partage d'écran, parce que je ferai. Alors, je vais caler la caméra sur toi. Et ah, si, ah, avant ça, parce qu'on en a parlé, j'aimerais juste montrer, voilà, que vous puissiez voir de vos yeux comment est le bon calcul. Parce que quand on en parle, c'est quand même assez flou. Je vais juste montrer avec une date de naissance. Voilà, si ça peut se caler dessus. Donc, vous avez là le 1er septembre 1976. Donc, on additionne tous les chiffres. Et là, pour le coup, ça donne 33. Ouais, on y reviendra. De toute façon, on allait faire une Voilà, démo. un petit coucou à mon grand frère parce que c'est lui. Voilà, je me sers de sa date de naissance. Tu m'appelles après la consulte. On va discuter tous les deux. Ah. Alors, ensuite, je vais caler la caméra sur toi. Oui. Je te fais un partage d'écran. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien la fiche qu'il faut? Celle-là? Oui, c'est celle-là. Allez, ben, je la partage. C'est parti. Voilà, Voilà. vous la voyez tous. Donc là, en fait, on avait exposé dans ce vibratelier justement quelle était la répartition qui a mené la fragmentation de la lumière, donc qui a mené jusqu'à nous, jusqu'aux âmes, jusqu'à Adam,
vous voyez, jusqu'à la lignée adamique. Effectivement, moi, bien évidemment, j'ai utilisé des termes comme YHWH, Adam, le nom de tous les archanges. On avait bien élaboré là-dessus que on avait bien expliqué que, évidemment, là, on est dans le contexte judéo-chrétien, mais que cette fragmentation s'adapte à toutes les créations. D'accord ? Donc là, bien évidemment, j'avais mis YHWH en source, d'accord ? Ça, c'est le nom que les Hébreux lui ont donné. Hein, YHWH, où il y avait, j'en ai parlé d'ailleurs récemment, n'était qu'un dieu, le dieu du mont Sinaï, du mont Horeb, justement, que les Hébreux pensaient être le créateur. Donc forcément, quand le truc il se présente devant eux, ils pensent que voilà, c'est YHWH. Bon, bref, on avait donc déterminé effectivement que la lumière, quand elle se fragmentait en 12 parties. D'accord ? Donc les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel dont tout le monde parle. On avait dit aussi que donc, à ce moment-là, ces 12 parties donc, étaient justement des catégories qu'on avait appelées le cœur angélique. Le cœur angélique représente 9 parties. Et on avait mis de côté, rappelle-toi Nora, ces 3 derniers archanges, Uriel, Sandalphon et Jophiel, et on les avait laissés en suspens. On a dit voilà, les 9 cœurs angéliques sont gérés par Métatron, Raziel, Tsafkiel, Tsadkiel, Kamael, Raphaël, Aniel, Michael et Gabriel. D'accord ? Le tout étant géré, chapeauté par Michael. Bon, vous pouvez venir de chacun de ces archanges, mais vous êtes quand même chapeauté par le Christ Michael. D'accord ? Donc, on appelle Christ l'essence, la particule de départ la plus pure de la lumière. Et c'est elle, eux, justement, qui se fragmentent. On avait dit que ces 12 archanges, 72 Elohim répartis avec 8, chacun, chaque 12 à 8 anges physiques qui, eux, sont à la base de votre ADN, de chacun. D'accord ? Et ils s'étaient répartis en 144 000 fragments, les fameux 144 000, ou esprits. Et ces esprits, eux, avaient donné, s'étaient fragmentés en âme ici, dans la 3D. Voilà, donc ça, c'était pour faire justement un petit rapport avec le milieu angélique, judéo-chrétien, même si ça ne représente que 10% de l'histoire des anges. C'est quand même important de se rappeler, de se remémorer. Alors, pour les gens qui nous prennent en cours, hein, comme c'est souvent le cas, je vous invite à vraiment écouter le vibratelier sur les mécanismes d'incarnation, parce que si vous prenez cet atelier sans avoir vu le mécanisme d'incarnation, vous allez encore finir dans mon privé sur Facebook et je ne pourrai pas vous expliquer des choses que vous ne savez pas. D'accord ? Donc, encore une fois, rapprochez-vous des mécanismes d'incarnation pour comprendre ce dessin et pour comprendre ce qui va se passer plus tard. D'accord ? Donc, maintenant, voilà, tu peux revenir. Je vais juste refaire un petit partage d'écran pour vous montrer où trouver cet atelier sur les mécanismes d'incarnation. Oui. Alors, hop, j'ai préparé. Et voilà, je vais juste caler l'écran, donc sur moi, c'est bon, c'est fait. Et je vais vous montrer. Donc là, je suis allée donc, sur legrandchangement.tv, j'ai cliqué sur « Service et accompagnement ». Je vais peut-être revenir en arrière, vous allez voir ce que j'ai fait. Hop, pour le coup, finalement, je reviens un peu en arrière. Voilà, donc vous êtes sur legrandchangement.tv, vous cliquez sur « Service et accompagnement ». Une fois arrivé là, pour retrouver donc, les vibrateliers de Cyriliel, vous allez cliquer sur « Créateur », ici à gauche. Vous cherchez Cyriliel et là, vous allez pouvoir voir tous les ateliers proposés par Cyriliel. Donc là, ce soir, nous sommes sur l'atelier Les Maîtres Nombres. Et au tout début, donc c'est vrai qu'on avait commencé par ça, on avait fait le vibratelier sur la science de l'âme, les mécanismes d'incarnation. Voilà. Sur deux cours. Donc si n'hésitez pas à aller les obtenir. L'atelier de ce soir ou même le vibraconférence sur les walk-in et que vous n'avez pas vu ces deux vibrateliers, il vous manque. C'est la base. Voilà, il vous manque quelque chose. Là. Il manque une pièce au puzzle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les neurones ne vont pas se connecter. Exactement. C'est important d'avoir l'ensemble. C'est pour ça qu'on fait des ateliers pour entrer en précision avec Nora, et je la remercie pour ça, dans certains concepts. Parce que c'est sûr que si demain vous regardez juste la vibraconférence sur les walk-in et que vous n'avez pas vu tout ça, il n'y a pas de logique dans ce que je raconte. Tout l'enseignement demeure dans une logique. Donc, il est important. Il y a même, si ce soir, il y a des walk-in parmi nous, il y a des choses qui vont faire du sens pour eux que ce soir, par rapport au walk-in, par rapport à tout ça. D'accord ? Donc, c'est important que chacun, vous ayez conscience, à votre niveau, que l'enseignement fait partie d'une logique, fait partie aussi d'une façon de penser.
D'accord? C'est vrai que si vous voulez suivre mes enseignements, il va falloir vous dépouiller complètement de ce que vous pensez savoir. Si vous restez, si vous venez là, assistez là, venez là, et que vous gardez votre savoir en tête, vous allez rentrer en dissonance cognitive. D'accord? Alors, s'il y a des numérologues ce soir, oubliez votre numérologie classique, d'accord? Essayez de vous concentrer, d'être dans le moment, je suis en train de faire un coaching là, d'être dans le moment présent et de ne rien laisser passer. Et justement, ce n'est qu'ensuite que vous pourrez comparer avec ce que vous savez déjà. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça ne fait pas? Mais vous ne pourrez pas comprendre si vous ne vous dépouillez pas, hein, comme dirait Maître Yoda, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Hein. Et ça, faites-le pour n'importe quelle de mes vidéos. C'est très important. Avoir l'honnêteté de se dire, OK, à un moment donné, je mets tout sur la table, je ne rejette rien et je connecte uniquement ceux qui se connectent ensemble au lieu de rejeter, d'accord, ceux qui ne connectent pas. Concentrez-vous sur ce qui nous rassemble en occultant ce qui nous sépare. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va se retrouver. Bon, mais là, je vais prendre la main sur le partage. Tac, tac, tac. Oui, je t'en prie. En plus, je venais de sectionner un commentaire de Mustapha qui dit « Bonsoir Nora et Cyriliel, ainsi qu'à tous. C'est mon premier Vibratelier. Je suis heureux d'être avec vous. » Donc, allez, Mustapha, voilà, j'espère que tu as bien entendu. Mmh. N'hésite pas à aller prendre les autres ateliers si tu veux aller plus loin. Si ce soir, tu comprends pas tout, c'est un peu normal parce qu'il va très, très vite, Cyriliel, sur ce qui a déjà été vu, notamment les mécanismes d'incarnation. Mmh. Donc, voilà. Et au fait, juste un petit rappel pour les nouveaux, je vous rappelle donc que les Vibrateliers sont à prix libre. Voilà, comme ça, l'argent n'est pas un frein à l'accès à l'information. Vous allez pouvoir tout savoir. Non, non, merci pour le coup. C'est important parce qu'il peut y avoir des incohérences qui vont germer dans votre tête si vous ne regardez pas tout. Et dire, ah, mais Cyriliel, il n'est pas cohérent, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, mais si tu as manqué une émission, mais forcément, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est important. Nora est courant, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette logique avec Nora, que c'est un enseignement continu, c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre en cours. Désolé, des fois c'est un peu long de regarder toutes les émissions, mais bon, il y en a qui le font. Donc. Et pour le coup, bizarrement, ce soir avec les maîtres nombres, vu qu'on est entouré de 11, 22, 33, ils ont souvent tendance à aller très très vite dans leur réflexion, et peut-être là, que ça va... On va en parler tout à l'heure, les capacités justement qu'ont ces gens-là, d'absorption, d'analyse, de résonance qui est supérieure à la moyenne, hein, sans vouloir créer encore des clans, il y en a qui sont plus notés. Non, non, c'est vraiment que le 33 a une bande passante, on le verra, beaucoup plus large que la plupart, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est des maîtres. Non, bon, d'accord, ce n'est pas pour eux. Bon, allez, je vais prendre la main sur le partage d'écran. On va justement donc décontextualiser du monde judéo-chrétien et des anges qui finissent en Yel et en pataquès, on va juste rentrer dans un plan de vue génétique et énergétique. OK ? Allez, je partage l'écran. Écran 2. Partager. C'est bon ? Tout le monde le voit ? Oui, normalement, tout le monde le voit. C'est bon. OK. Donc, en haut, j'ai mis juste source lumineuse, pas de nom. D'accord ? On sort du contexte. Parce que sinon, il y en a... Ouais, mais non, mais mon Dieu, à moi, il s'appelle Carthagène. Bon, OK, bon, bref. On est là. Donc, on a la source. On a donc les 12 archétypes, les 12 lumières de l'arc-en-ciel, hein, qui vont donc sortir, qui vont sortir, éclater de cette lumière. Donc, vous savez tous que quand la lumière passe par un prisme, c'est divisé en 12. Hein. Premier vibratelier, je ne vais pas recommencer. Donc, on a ces 12 premiers, on ne va pas les appeler cœur angélique, mais vecteurs de lumière, d'accord ? Donc, ces 9 rayons, hein, qui vont déterminer aussi les 9 cycles de vie, d'accord ? Que justement, les numérologues vous parlent, que moi, je vous parle, et qui sont aussi des vibrations, c'est-à-dire les 9 vibrations, les 9 cycles d'ascension. C'est-à-dire qu'une âme, quelle qu'elle soit, va devoir passer par ces 9 cycles pour atteindre le niveau d'ascension. Bon, ensuite, on a ce qu'on appelle la semence génétique, ce que certains appelleront l'esprit. OK ? L'esprit va se fragmenter aussi pour entrer dans la troisième densité, dans notre troisième dimension, ici. D'accord ? Ici. Donc, on va déterminer le voyage, justement, d'une âme. Comment une âme arrive, justement, à l'ascension ? Donc ici,
Justement, au niveau des semences génétiques, on a l'ensemenceur, l'esprit de base, la source personnelle de chaque âme. D'accord ? Ce qu'on va appeler un ange. L'ange est ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Ok ? Oui. Cet ange va se fragmenter dans ce qu'on appelle la création holographique. Pourquoi ? Puisque chacune de ces graines va être la projection holographique de son énergie. Alors, holographique, holos qui veut dire l'ensemble, graphique qui veut dire le dessin, vous savez tout ce que c'est l'holographie. Cette projection holographique va donc avoir toutes les particularités génétiques de l'ange. De la même façon que vous avez toutes les particularités génétiques, qualités et distorsions de votre ange physique. D'accord ? Donc, il va semer des graines. D'accord ? Donc là, je vais prendre peut-être une épaisseur un peu plus petite pour les graines. Voilà. Donc, il va semer plusieurs petites graines. La graine numéro 1, la graine numéro 2, la graine numéro 3. Bon, je ne vais pas en faire beaucoup, hein, je vais en faire 4. Hein, pour que vraiment vous compreniez. Et cette petite graine, j'ai perdu le stylo, il est là. Cette petite graine va passer donc ses niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8 et niveau 9, qui est celui de l'ascension. Donc là, on repasse en haut. Donc, chaque petite graine va monter. Tac, c'est parti. Et on monte. Un cran, deux crans, trois crans, quatre crans. 5 rangs, 6 rangs, et boum, on arrive ici. Ouais. On a passé nos 9 cycles de vie. Donc, la graine vibre à la même fréquence qu'un ange à ce niveau-là, que sa source. Puisque là, tu comprends, tu me suis ? Ouais. Elle vibre à la même fréquence que sa source. Là, entre les 4 petites graines, c'était la course. Le premier qui arrive prend le contrôle de la cellule angélique. Ok ? Il prend le contrôle. Les autres petites graines font la même chose. Hop, une deuxième graine devient un ange. Hop, une troisième graine devient un ange. Et l'autre devient aussi un ange. Tac, tac, tac. Quand toutes les graines qui sont là sont toutes devenues des anges, qu'est-ce qui se passe pour la cellule angélique ? Enfin, la première petite graine qui a évolué, qu'est-ce qui se passe ? Hop, elle monte en vibration et devient un archange. Un archange, donc, qui possède sous ses ordres plusieurs anges. Pour l'instant, 4. Mm-hmm. OK ? Donc, l'ange devient l'archange. Ouais. Comme une étoile, comme on compare toujours les anges à des étoiles, qui se sont la conscience d'une étoile, c'est logique. Une étoile, c'est une étoile. Plusieurs étoiles, c'est une constellation. Un archange est une constellation. Tu me suis ? Oui. Quand les anges qui sont ici, ok, deviennent à leur tour aussi des archanges. Toujours pareil, la source angélique va bénéficier de l'évolution de toutes ces graines, de tous ces anges, ok ? Et à ce moment-là, quand toutes ces graines sont devenues des anges, ok ? La graine archangélique devient un Christ. D'accord. Donc, tu vois la présentation, là, je vous l'ai fait à l'envers, hein, comme si je l'expliquais à des enfants. Ok ? Devient un Christ. Pendant ce temps-là, les archanges, d'accord, ou les anges qui étaient ici, on se met aussi des graines. Et ainsi de suite. Et ça continue comme ça, tout le temps. Voilà, voilà comment se fragmente. La dernière fois, dans le vibratelier, on l'a fait de haut en bas. Là, on le fait de bas en haut. D'accord ? Donc, il y a un système d'ascension. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est le chemin d'une âme classique. C'est-à-dire, c'est le chemin qu'une âme va pouvoir faire. Ben, une fois qu'elle a ascensionné, elle continue son ascension dans les royaumes angéliques, au-dessus. Cependant,
Il y a une manière d'aller plus vite. Il y a un programme pour les anges qui s'appelle le programme maître, qui t'évite, en fait, quand tu arrives ici à ce niveau angélique, d'avoir tout ça à faire et à, tu vas quand même gérer ta structure, hein, ton arbre de vie, tu vois. Mais il te permet de redescendre sur Terre dans un des trois programmes. Donc ici, on va dire 11, 22 et 33, dans un des trois programmes. C'est-à-dire que tu as le choix. Soit tu prends ce chemin que je viens de t'expliquer. Donc là, tu restes là-haut et tu vas gérer, en fait, en bas, mais toutes ces graines qui sont en train de semer des graines et semer d'autres graines et semer d'autres graines et tout ça, tu vois. Oui. Donc, tu vas gérer ça de là-haut ou soit tu peux le gérer d'en bas. C'est-à-dire t'incarner pour aider l'humanité à faire la même chose que toi. Tu me suis ? Plus très bien. C'est-à-dire que quand tu finalement, tu vas plus vite. Ce que je t'ai expliqué au départ, c'est le chemin d'une âme classique. Oui, on est d'accord. Mais dans la deuxième partie, tu arrives, tu es déjà un maître. Donc non, quand tu arrives au niveau ici angélique, on te donne un choix. Soit de faire toute cette montée-là que je viens de t'expliquer, soit de redescendre sur Terre pour aider le Créateur à accomplir le plan. D'accord, oui, bah c'est cette partie-là qu'il faudra que tu développes plus, le plan. Et bien, justement, les vibrations maîtres, ce sont les âmes qui, en arrivant au niveau ici angélique, ont décidé, au lieu de continuer dans les sphères supérieures et d'envoyer des messages de bisounours en canalisation, d'accord, ont décidé de revenir sur Terre pour aider l'humanité à faire comme eux. Tu as le choix. Soit tu restes là-haut pépère sur un nuage, soit tu descends dans la matière pour aider l'humanité à faire la même chose. Ce qui est en soi est un énorme sacrifice, c'est-à-dire que tu sacrifies la lumière de ton ascension pour descendre sur Terre et aider les autres humains à faire comme toi. Ouais, et il y a trois programmes, et c'est ces trois programmes qui sont gérés par ces trois rayons, ici, qui tout à l'heure étaient Uriel, Sandalphon et Jophiel. D'accord ? Quand tu t'embarques dans ce programme-là, bien évidemment, tu sais ce qui t'en coûte. Mais tu sais très bien que quand tu vas remonter en haut, eh bien, tu auras une de ces vibrations assurées, 11, 22 ou 33. Bon, je sais, j'écris comme un chat. Non, ça va. Voilà. Donc, voilà ce qu'est une vibration maître. Voilà ce qu'est un maître. C'est une âme qui, au lieu de continuer son ascension comme ça, en attendant que ses anges deviennent des archanges, d'accord, va confier à son second, tu vois, et tout à l'heure, le second, je vais prendre une autre couleur. Hop, on va prendre du noir pour que ça apparaisse bien. Celui qui est arrivé en second, lui, c'était celui qui était arrivé en premier, donc il s'est mis ici, tu vois. Et lui, c'est celui qui arrive en second. Mais il va confier à son second les rênes en haut, donc occupe-toi de la cellule angélique, moi, je descends. Tu vois? Et ensuite, bon, il va laisser l'arbre continuer, l'arbre de vie, l'arbre génétique continuer. Cependant, ici, lui, il va redescendre sur Terre dans un de ces trois programmes. En fonction de son arbre, ben, il pourra prétendre à être un 22, un 11 ou un 33. Mais c'est surtout par choix. C'est comme si tu passais là, du lycée à la fac, directement. Ouais. Tu vois, c'est un autre programme d'âme, justement. On va dire, c'est plutôt l'université. Là, jusqu'à présent, tu étais au lycée, hein, au départ. Et là, tu vas à l'université. Quand tu sors de là, tu sors diplômé. Tu sors diplômé ange, archange ou Christ. Voilà les 11, les 22 et le 33. On fera le rapport ensuite, tout à l'heure. Et là, ils vont me dire, ah, mais les walk-in, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les walk-in, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand, par exemple, on va le refaire ici en noir, une vibration christique, archangélique ou angélique a une de ces petites graines ici qui pousse croche et qui n'arrive pas à ascensionner, qui vit quelque chose de difficile, et bien hop, il passe par le programme maître, il dit « je dois aller aider quelqu'un ». Pam, et il descend aller chercher sa graine. Voilà ce qu'est walking. C'est quand une des vibrations du dessus descend dans la matière, récupérer une de ces graines qui est en difficulté.
Donc, quand vous êtes un walk-in, vous êtes une de ces trois vibrations qui descend dans la matière, aider une petite graine qui a du mal dans son ascension. Pareil, vous confiez les rênes en haut à une de vos... Voilà, et ça, ça fait partie, donc je reviens un petit peu sur ce deuxième calcul, qui n'est pas celui de ce soir, mais qui permet de savoir quelle vibration c'est. Un walk-in de 11, 22 ou 33. Ouais. Après, on peut le savoir, moi je peux le savoir au ressenti, enfin, en parlant avec la personne, je peux le savoir sans faire le calcul, mais le calcul vient me confirmer effectivement à quel niveau se situe cette personne-là. Donc effectivement, quand on comprend la fragmentation, une âme devient un ange. Quand elle devient un ange, elle sème des graines. Quand ces graines deviennent des anges, elle devient un archange. Quand cet archange, justement, a ses anges qui deviennent des archanges, il devient un Christ. Et là, il va semer. Donc, il va semer, parce que ça veut dire que tout a été nettoyé dans leur karma, d'accord ? Et il va semer son Christ dans la matière, quand on arrive à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Yeshua. Michael a fait sa fragmentation. Quand les 144 000 étaient prêts à ascensionner, il est descendu, il a récolté. Donc, quand il vous disait « je suis le chemin », c'est ça le chemin. Il vous indiquait, en fait, que vous croyez en l'histoire de Yeshua ou pas, quand vous arrivez à décoder au niveau génétique et systémique, comme je viens de le faire, vous comprenez comment une âme ascensionne. Donc, même si c'est un conte de fées, même si c'est une belle histoire, elle vous explique, quand vous comprenez au niveau systémique et génétique, comment une âme ascensionne. Ok ? Donc, effectivement, c'est du boulot. C'est du boulot. Donc, voilà. Donc, quand vous choisissez une de ces trois missions, vous redescendez sur Terre, aidez l'humanité dans la vibration 11, 22 et 33. Et chaque vibration a une mission particulière ou... On va les regarder tout à l'heure, oui. C'est toi qui les as, je te les ai envoyées. On va les regarder une par une, le 11, le 22 et le 33. Ce sont des vibrations bien particulières. Ce sont les trois des vibrations maîtres et elles ont toutes un rôle bien précis dans l'accomplissement du plan du Créateur. D'accord ? Bon. Ok. Donc justement, voilà. Donc c'est une énorme responsabilité, un énorme sacrifice qu'une âme fait quand elle vient s'incarner en maître nombre. Donc c'est pour ça, quand je vois qu'ils se plaignent, je leur dis, tu as choisi de venir et tu sais pourquoi tu es venu ici. Tu as juste oublié. Il faut te reconnecter à ça. Le plus haut niveau d'altruisme pour un être humain, c'est le 9. C'est-à-dire que là, on parle de gens qui sont dans un altruisme exacerbé. C'est-à-dire que c'est des empathes. Ils sont l'empathie. C'est même pas qu'ils sont des empathies. Ils sont l'empathie. Ils sont à des niveaux vibratoires d'ange, d'archange ou de Christ. Ils ne le sont pas encore. C'est-à-dire que moi, quand je dis « je suis un Christ », je ne le suis pas encore. Je le saurai quand je vais remonter. Parce que j'aurai complété mon programme. C'est ma dernière incarnation et j'ai mon diplôme à la fin. Tu vois ? Et je n'aurai pas eu à passer par tout ce mini-mélo-là sur le côté. Voilà. Tout simplement parce que voilà, j'ai utiliser mon énergie, mon trésor, hein, on va dire tout ce que j'ai récolté spirituellement, pour justement venir aider les autres humains. Et c'est ce que je fais tous les jours. C'est ma mission. Ok ? Donc, justement, voilà, je vais arrêter le partage. Hop, je vais revenir à l'antenne. Voilà, est-ce que déjà, toi, est-ce que ça te suscite des questions ? Peut-être qu'ils pourraient aider les auditeurs par rapport à ça. Non, moi, ça, pour moi, il n'y a pas de questions supplémentaires. J'ai hâte, comme je vois certains, et quelles sont les missions, justement, des 11, 22, 33, d'aller au bout donc, de l'explication de chacun de ces niveaux, de ces nombres. L'explication au départ était bien, mais je vois, par exemple, j'ai sélectionné un commentaire de Sophro84 qui dit « Je suis walk-in et je me sens à ma place ce soir. Bonne soirée à tous. » Oui, donc, parce que le walk-in, justement, devient maître. Mais là, il comprend déjà... Quand on comprend comment ça se divise, on comprend ce qui se passe. Quand tu ascensionnes et qu'on te donne le choix, on te dit « bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu gères ça d'ici ? » C'est-à-dire que tu plantes tes graines et tu récoltes ? Ou est-ce que tu descends parmi les hommes, comme l'a fait le maître, pour justement les enseigner, les guider, les aider à construire, à faire quelque chose, justement pour aider le plan ? On a un groupe qui s'appelle sur Facebook Groupe de Travail Angélique, l'École de Lumière. Et justement, on a la chance, je le vois qu'il est sur le côté, on a Alphara, justement, qui m'a initié à ces choses-là au départ, qui m'a ouvert, on va dire, le robinet pour que ces informations descendent. Parce qu'il faut que vous sachiez, déjà, moi, je n'ai pas appris ça dans les livres. J'ai eu un monsieur qui s'appelle Alphara, justement, et Alphara, I know you.
I know you're watching. Il me surveille, hein. C'est un peu mon moniteur, hein, le gars. Hein. C'est-à-dire, c'est mon inspecteur d'académie. Hein. Si je fais une connerie, après la consultation, hein, c'est lui qui va me recadrer. Mais même s'il ne comprend pas le français, il sait ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, il nous a laissé un petit message ce soir. Donc, il a dit « Bonsoir Nora, the beautiful and serial the magnificent. You are both such great, great lights. Thank you for all you give to humanity. » Thank you. Thank you. Thank you. Donc, merci beaucoup. Il nous laisse un petit message et voilà, il nous dit nous sommes des lumières et qu'il nous remercie pour tout ce que, surtout Cyriliel, donc tout ce qu'il apporte à nous tous. Merci beaucoup. Et justement, je voulais partager avec vous quelque chose qu'il a partagé avec le groupe. Et là, on est vraiment dans l'enseignement de haute voltige. D'accord. J'étais surpris d'ailleurs qu'il en fasse part. Parce que c'est le genre de choses qu'il nous enseignait, ben, nous, à notre ancien groupe et ces choses-là. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans la mission du maître par excellence. Donc, tout à l'heure, je vous ai récité la grande invocation. Là, je vais vous lire autre chose pour que vraiment les maîtres qui nous écoutent comprennent ce qui se passe, comprennent pourquoi vous êtes là et quelle est votre tâche honorable. Parce que les maîtres qui sont sur Terre et qui se réveillent, justement, ont une tâche tellement honorable pour le reste de l'humanité. Et j'aimerais aussi que les gens qui ont l'opportunité d'avoir des maîtres autour d'eux, de se rendre compte de l'opportunité qu'ils ont justement d'être à côté d'êtres spéciaux qui vont les aider et qui ne sont pas là pour se sentir supérieurs ou se sentir au-dessus, mais qui vont les aider dans leur ascension. C'est extrêmement important de reconnaître ça et pour les maîtres aussi de se reconnaître. Donc, je vais lire justement ce qu'il a posté sur notre groupe et tout est là. C'est extrêmement puissant. Alors, je vous demande d'être bien attentif. Donc, il a titré ça « En soulevant les autres, nous nous élevons ». D'accord ? En gros, en aidant les autres, on s'élève nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est en aidant les autres qu'on s'aide nous-mêmes. « Ce monde est une conscience collective et toute cette conscience est créée à partir d'une seule et même superconscience, le Seigneur Christ Michael. » D'accord ? Donc, c'est le dessin que je vous montrais tout à l'heure. Il y a un plan pour ce monde et vous. Il s'agit de la volonté, the will of God, la volonté du Père, donc de la source. Que le royaume des cieux, l'esprit, et la terre, la matière, la chair, soient fusionnés à travers vous et à travers le Christ. Ça, c'est, vous pouvez retrouver ce passage-là dans Éphésiens 1, 9, 10, dans la Bible. Comme ce monde est un collectif, chaque pièce supporte l'autre. Tout ce monde est tiré l'un de l'autre et chaque chose qui existe est une pièce du puzzle utilisée en co-création pour spiritualiser la matière. Donc, il explique là qu'on est tous interconnectés, qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit 33, qu'on soit 11. Chaque chose que l'on fait, on le fait ensemble dans une co-création qui a pour but de spiritualiser la matière. Il y a ceux qui ont et possèdent de grandes quantités de matière spiritualisée, donc l'esprit, car ils s'incarnent depuis très 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 longtemps, entre parenthèses, les vibrations maîtres. Et il y a ceux plus jeunes qui n'ont pas grand-chose, ces fameux cycles d'incarnation entre 1 et 9, et qui ont de la misère à devenir et à grandir. La Bible parle de ces deux catégories en termes de riches et de pauvres. Ce monde au complet est une usine à esprit. La monnaie des dieux et des créateurs est l'esprit. Nous sommes tous des employés au départ, mesurés aux yeux du créateur par la quantité d'esprit que nous avons ou la quantité que nous avons transformée. Même chose, c'est-à-dire dans notre capacité à transcender les épreuves et à augmenter et à monter en vibration. Quand une âme incarnée est volontaire pour abandonner sa matière spiritualisée, appelée travail ou mixture, on a parlé de la mixture dans les anciens ateliers, dans d'autres livres ésotériques, quand une âme mature ou immature est volontaire pour se vider ainsi de tout son trésor, esprit, pour aider une âme plus faible, donc pour aider ceux qui en ont besoin, cela devient une lourde tâche pour grandir. À ce moment-là, la création, le créateur en prend bonne note. En résumé, en sacrifiant tout ce dont pourquoi vous avez travaillé, vous sacrifiez aussi votre ascension. Comme il ne vous restera plus rien, plus assez de matériel pour remonter.
D'accord ? Donc, on se rend bien compte du sacrifice. Quand un maître redescend sur Terre, il abandonne tout pour aider les humains. Mais il vibre quand même à cette fréquence de 11, de 22 ou de 33. Un grand secret, voilà, il parle de moi, un grand secret que Cyril Liel connaît très bien, quand votre plan s'aligne, et ça je vous le dis extrêmement souvent, quand votre plan s'aligne avec le plan du Créateur, le Créateur vous traite alors comme un fils ou une fille directe. Peu importe la quantité d'esprit que vous avez amassé ou l'âge de votre âme. Donc, peu importe que vous soyez un maître ou une vibration quelconque, à la seconde où vous abandonnez votre lumière pour aider quelqu'un qui en a moins, le Créateur en prend note et vous traite comme un fils ou une fille. Donc du coup, comme disent les jeunes, il vous met bien. Hein ? Lorsque vous vous dépouillez de votre matière spirituelle pour laquelle vous avez travaillé, pour la donner à un plus faible incarné, vous aidez donc à participer au plan du Créateur qui est de fusionner l'esprit d'en haut, le royaume des cieux, et la terre en bas, c'est-à-dire la fameuse Merkaba dont tout le monde parle, l'esprit d'en haut qui rencontre l'esprit d'en bas. Vous êtes devenu maintenant un partenaire du Créateur au lieu d'un simple employé que vous étiez au départ. En étant vide, vous serez rempli par le Christ ou par Michaël et vous retrouverez votre trésor dans le royaume des cieux. En soulevant les autres, nous nous élevons. Et il a rajouté en PS, ce que vous abandonnez au service des autres n'est rien en comparaison avec les richesses et les miracles que le Créateur va accomplir à travers vous. Tout est là. C'est-à-dire que vous devez vous vider pour accueillir la lumière, donc 11, 22, 33, qui va vous permettre d'aider les plus faibles, d'aider ceux qui ont besoin, d'aider, d'élever leur conscience. D'accord ? Chaque maître doit avoir ça en tête. Surtout les 33, on le verra tout à l'heure, qui ont plus la valeur, que n'ont pas les 11 et les 22, du sacrifice. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se dépouiller complètement et à chaque fois qu'ils donnent de la lumière à quelqu'un, ces maîtres, ils sont remplis. Tu vois ? Là-haut, ils sont honnêtes. Tu donnes ta lumière pour aider les autres, nous, on t'en donne encore. Et c'est comme ça que grâce à vous, depuis qu'on a commencé avec Nora, je reçois en manière continue des informations à vous donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous donne une information, je me vide de mon savoir, d'une certaine partie de ma lumière, et cette partie-là est re-remplie avec un savoir plus juste, plus complet, plus haut. On a eu l'expérience dans le dernier vibratelier sur les walk-in. Je me suis vidé d'un savoir et tout d'un coup, vous avez senti le besoin d'en avoir plus. Et j'en ai reçu plus et je vous en ai donné plus. D'accord ? C'était en moi, mais c'est vous qui l'avez activé. Donc ça, c'est important. Chaque maître doit avoir prendre conscience qu'en revenant sur Terre, il a sacrifié sa richesse spirituelle pour aider ceux qui en avaient besoin, pour aider les autres. Quand un maître descend sur Terre, il n'est pas là pour lui. Lui, il a déjà fait son travail ascensionnel. Il est là uniquement pour les autres. Si vous êtes un maître et que vous pensez que vous êtes là pour vous, au service de vous, vous ne travaillez pas pour la lumière. Vous travaillez pour l'ombre. C'est aussi simple que ça. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc, avant de rentrer dans les calculs, avant de rentrer dans la numéro, il fallait que vous ayez confiance de ce qu'est une vibration maître. Alors, pourquoi les numérologues n'utilisent pas les vibrations maîtres ? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là de la fragmentation. Ils n'ont pas connecté les 9 cycles avec les 9 cœurs angéliques. Ils n'ont pas connecté les informations. Ce n'est pas de leur faute. On leur donne un savoir qui est juste. Donc, on se spécialise. Donc, on se limite. Donc, on ne fait pas la connexion avec les choses. Avant d'être un thème de vie, c'est une vibration. Alors, je ne parle pas du taux vibratoire qu'on calcule avec le pendule. Hein. Je parle de la fréquence qu'on émet, nous. Ça, c'est hyper important. Quand on fait le premier calcul, qu'on additionne tous les chiffres comme vous l'a montré Nora, on trouve cette vibration-là. Quand vous tombez sur 11, 22, 33, ne réduisez jamais. C'est comme si vous étiez en train de dire à l'univers, regarde, à la foutre. Non, non. Je remontre la méthode. Très, très clairement, si quelqu'un vient me dire tu es 6,
je donne pas cher de lui. Ne dénigrez jamais votre lumière. Surtout quand vous êtes... On va faire les calculs après, Nora. C'est bon. Je vais leur montrer aussi le calcul que toi, tu as fait et à quoi il correspond. Mais c'est vrai que c'est hyper important que vous ayez conscience de ça. Quelle est votre mission ici? Pourquoi vous êtes là? À quoi vous servez? Vous servez à accomplir le plan, c'est-à-dire à amener plus de lumière dans la matière, de spiritualiser la matière. La matière, c'est de l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie. Quand les deux vibrent à la même fréquence, vous accomplissez la Merkaba. On a réussi cette tour de passe-passe génétiquement chez ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants indigo, Metanova, Metanora même, les Metanora, d'accord ? Donc voilà, on a réussi ce tour de passe-passe-là dans la génétique humaine déjà. Maintenant, il faut que chacun, chaque maître se réveille. Alors vous allez me dire, mais alors ça veut dire que tous les maîtres sont des anges incarnés ou des archanges incarnés ? Non. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas accepté leur mission, tant et aussi longtemps qu'ils ne se sont pas portés volontaires pour la mission qu'ils se sont eux-mêmes donnée, vous voyez à quel point l'amour est inconditionnel, c'est-à-dire que tu choisis de faire un truc, mais on te donne quand même le choix de le faire ou de ne pas le faire. D'accord ? Hein ? Alors que de l'autre côté, on te fait passer des contrats et des pactes. En règle générale, c'est ça. Hein ? Il y a une petite différence d'école. Hein ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tant et aussi longtemps que des gens qui sont nés le même jour que moi ne sont pas tous Cyriliel, mais ils ont tous leur soi, leur source supérieure qui est capable de descendre en eux. La différence entre un 11, un 22, un 33 ou un 33 et un 4 et un 5, c'est la capacité de lumière qu'il est capable d'accueillir. Et c'est aussi la capacité de ténèbres qu'il est capable de transcender. Un 9, un 4 ou un 5 n'a pas la même capacité à transcender les ténèbres qu'un 11, un 22 ou un 33. Quand on descend dans la matière, nous les maîtres, et il y a une façon de s'incarner aussi, on peut en parler, mais quand on s'incarne dans la matière, on vibre à une fréquence qui normalement n'est pas compatible avec la matière. Donc on est obligé de descendre en vibration pour pouvoir s'incarner. Mais quand on s'incarne dans la matière, on est aussi soumis aux mêmes distorsions que vous. Ce n'est pas parce qu'on est des maîtres qu'on est des saints. Surtout pas moi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est des maîtres qu'on est parfait. On est soumis aux mêmes distorsions que vous. On est dans la chair, on est dans ce monde. Et on est soumis aux mêmes. La seule différence, c'est que notre expérience énergétique, notre background, nos mémoires énergétiques nous permettent de transcender ces ténèbres plus facilement que vous. C'est pour ça qu'on a un karma instantané. Que vous, enfin la plupart des vibrations classiques, eux, ils ont un karma, on va dire, ils payent ou ils nettoient leur karma dans la vie d'après. Les maîtres, non. Les maîtres, on nettoie tout de suite parce qu'on a la capacité de le faire. C'est pareil pour les walk-in, c'est pareil pour les Metanova. Ils ont un karma instantané. C'est pour ça, j'en ai eu une pas plus tard qu'hier qui me dit « Non, mais c'est pas possible. Moi, dès que je fais un truc, de suite. » Tu es un maître. Pareil. Tu es un maître. Quand tu es walk-in, c'est pareil. Quand tu es walk-in, c'est pire. Tu payes le karma de la vie d'avant plus celui de la vie en cours. Chapeau bas. Double peine. Double peine, double claque. Tu vois ? Pénalty, carton rouge. Tu sors. Donc, non, mais c'est ça. Donc, effectivement, vous devez avoir conscience de ça. D'où la nécessité d'être souverain. D'où la nécessité de créer votre propre karma et de le nettoyer vous-même. Ça, c'est important, d'être toujours dans votre alignement. Un maître ne peut pas se permettre de ne pas être dans son alignement. Sinon, c'est le carnage, c'est le cauchemar sans tête. Et c'est pareil dans les deux sens. Si vous êtes trop la lumière, vous allez être rééquilibré. On va vous envoyer des trucs. Donc, c'est pour ça, moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a encore quelques mois avant que Nora rentre dans ma vie. Bonjour, Nora. C'est moi. Je viens de perturber les choses, moi. Reviens ici, où est-ce que tu es allé? Mais avant que Nora rentre dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est que j'étais Cyriliel 10% ou 15% du temps. C'est-à-dire quand je faisais mon émission avec Sangara, ou quand j'enseignais à qui voulait bien entendre, ou à la seule cliente que j'avais en coaching. Et tout le reste du temps, ben, j'étais monsieur tout le monde. Mais là, depuis, je fais des consultations tous les jours. Je fais des émissions tous les dimanches,
Je fais les vibra-conférences, les vibra-ateliers, et je réponds à Pierre, et je réponds à Paul, et je réponds à Jacques. Donc là, c'est l'inverse. Je suis Cyril Yael 90% du temps. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils font là-haut? Ah ouais, mais mec, il faut l'autre côté aussi. On est l'équilibre, on est l'alignement. On n'est pas là pour être les bisounours, là. Et on n'est pas là pour être les démons non plus. On est là pour être l'équilibre, être le chemin, pour montrer l'exemple aux autres vibrations de comment maintenir l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on est des saints ou qu'on est des enfants de cœur. Loin de là. Je peux vous dire que quand Coco il se réveille, attention. Donc, il faut le nourrir, le coco, tu vois. Donc, j'achète plus de... Ouais, je vous invite à regarder la conférence ou même les vibrateliers sur l'ego, où tu en as beaucoup parlé pour les nouveaux, comme je vois qu'il y a des nouveaux. Il y avait une grosse partie là-dessus. Il y avait même par rapport à ton parcours particulier, donc de 33, mais de 33 qui n'était pas du tout sur son chemin, pas du tout là où il devait être, et qu'on t'a fait un sacré rappel à l'ordre sur... C'est pas ta voix. Mais c'est pas là. Moi, je cherchais la gloire, mais je me suis trompé de gloire. C'était la gloire du créateur. Moi, je cherchais la gloire des paillettes. Chanteur de R&B, yeah. Comment? Voilà, donc, non, tu vois, au bout d'un moment, il faut comprendre ce qu'on est. On est l'équilibre, on est venu rééquilibrer les choses. Parce que, bien évidemment, l'autre côté, ils trichent. L'ombre triche. Ils envoient plus de ténèbres qu'il ne devrait y en avoir. Ça, ils ne changent pas le plan, ils envoient juste un petit peu plus. Alors nous, on envoie un petit peu plus. C'est toujours cette question d'équilibre. Donc, effectivement, quand vous êtes un maître, vous devez utiliser votre lumière au service des autres, pas à votre service. Moi, je me suis, comme elle a dit Nora, je me suis bien planté au départ parce que j'ai senti mes capacités et je les ai utilisées. Ah ben oui, hein, les grosses voitures, les minettes, chanter, ouais, bébé, comment je peux vivre sans toi. On chante des chansons d'amour, mais on s'en fout en fait. Tu vois ? Donc, en fait, par rapport à ça, il faut vraiment comprendre que quand vous êtes un maître, l'alignement est primordial pour votre vie. Cet alignement-là, il est primordial. Vous devez être l'exemple. Oui, parce que, en fait, juste pour info, quand j'ai montré la date de naissance donc de mon grand frère, je lui ai appris aujourd'hui hein, que c'est un 33. D'ailleurs, il regardera en replay hein, pour le coup. Et je l'ai appris grâce à un de ses amis à lui, en discutant avec lui. Je lui ai dit, mais dis-moi, sors-moi ta numérologie, juste pour savoir, parce que je me disais, oula, il y a des ressemblances avec Cyril Yael, là, sa façon de me parler. Et c'est un 33 aussi. Et ce qui est marrant, c'est que dans ton parcours de vie, j'ai revu, en discutant donc avec Laurent, à qui je fais un petit bisou, et donc mon grand frère Karim que je connais, c'est la même chose, les mêmes claques. Enfin, je trouve que c'est vachement violent pour les 33. Des fois, les rappels à l'ordre, les remises sur la voie sont waouh. Terrible. Il y a comme intérêt à se réveiller, en effet. Parce que... 33 pas réveillé égale cauchemar sur pattes. C'est les tyrans, c'est la colère, c'est la violence. Oh, je viens d'un quartier, moi. Tu sais, même encore, hein, des fois, Coco, je le mets au fond de la classe. Hein. Parce qu'effectivement, à tout moment, mais comme j'ai la chance d'avoir la lumière pour contrebalancer ça, c'est ça, être un maître. C'est avoir la capacité de contrebalancer cette noirceur là qui est là aussi. On est ambivalent, on est les deux. Quand on est dans ce monde, on est dans la dualité, on est là pour spiritualiser la matière. Et surtout la façon dont on s'incarne. Ça, je vais en parler. Un être de ce niveau-là vibratoire, pour s'incarner sur Terre, doit descendre en vibration. Donc, comment il fait? Eh bien, il se rattache à un de ses souvenirs terrestres. D'accord? Je vais vous raconter une légende après, qui vient de très longtemps. Une vibratiomètre qui doit descendre dans la matière doit utiliser donc un souvenir ou doit utiliser une énergie qui la touche à un point où ça la fait descendre en vibration. Donc, en règle générale, ce n'est pas une belle énergie. En règle générale, c'est une grande souffrance. En règle générale, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et justement, je voulais vous raconter la légende. C'est une légende atlante, en fait, que peu de gens connaissent. Ah oui, c'est encore plus loin que le temps jadis. Là, on part dans le pré-adamique. Dans le pré-adamique, avant la Genèse, avant les grands cataclysmes qui nous amènent à la Genèse et à la création d'Adam, il y avait une reine et un roi, d'accord ? La reine Shaina. Et avec ce roi, ils avaient développé une espèce de relation, parce qu'à cette époque-là, l'énergie d'amour n'existe pas. On est dans le passionnel. On est dans une énergie qui ressemble. L'énergie d'amour arrive plus tard sur Terre.
mais l'énergie d'amour inconditionnelle. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé une espèce de, en anglais, on dit bound, de lien très créateur, très puissant, à un tel point qu'au moment des cataclysmes, les anges, les archanges qui sont venus récolter la matière qu'ils vont utiliser ensuite dans les 72 souches génétiques qui vont créer Adam, les récupèrent parce que c'était un couple tellement virtueux, tellement bon pour son peuple. Ils étaient vraiment dans ce partage, dans ce service à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, les sujets de leur royaume étaient tous heureux, vivaient en harmonie dans les cristaux, les lumières et tout ce que tu veux. Okay. Donc, leur passion a été utilisée certainement pour créer l'énergie aujourd'hui qu'on appelle l'amour, en règle générale, mais l'amour entre deux êtres. Tu vois? Ce qui se passe, c'est que bien évidemment, donc, ils ont été séparés. Chacun a été mis chacun de son côté, restructuré, recréé, envoyé dans l'énergie de lumière, donc des Elohim. On leur a donné à chacun une contrepartie divine, on fera aussi ça bientôt. Et donc, du coup, ils ont été séparés. Ils sont montés en vibration, chacun de leur côté, et l'énergie qu'utilisait la reine Shaina pour venir s'incarner sur Terre, son énergie terrestre, c'était le souvenir de son roi. Je vous laisse deviner le genre de relation, si elle s'incarne encore aujourd'hui, qu'elle peut avoir avec les autres hommes, même avec sa contrepartie divine. L'énergie qu'elle utilise pour descendre dans la matière, le souvenir de son roi. Mais son roi, lui, il a sa contrepartie divine. Son roi, il est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement... Tu vois, ça, c'est une légende, hein, bien évidemment. Bon, les légendes viennent de... Hein, souvent, ça devient des mythes après, mais avant, c'est des histoires. Hein. Donc, effectivement, c'est ce qu'on raconte aux petits élèves anges quand on leur dit, voilà, comment vous allez vous incarner en utilisant justement une énergie, basse énergie finalement, ou une énergie très puissante de la Terre pour venir vous incarner sur Terre. Voilà, ça c'était le petit côté conte de fées. Ok ? Donc voilà, donc c'est important que vous sachiez les maîtres que vous êtes et pourquoi vous êtes là. Je vais reprendre le contrôle du partage d'écran. Vas-y, je t'en prie. Hop. Donc, revenons à notre calcul. Donc, le calcul pour savoir si vous êtes une vibration. Donc, moi, je prends ma date de naissance, on peut prendre celle de Karim, c'est pareil. Donc, moi, c'est 24-02-1978. Eh oui, plus très jeune. Hein. Bon, voilà. Non, papy. Donc, on ajoute le 2 plus le 4, plus 2, plus 1, plus 9, plus 7, plus 8. Et là, on va trouver... 33. Les numérologues vont réduire 33, ils vont faire 3 plus 3, 6 pour trouver entre un chiffre et 9. Ok ? Vous direz au numérologue, respecte ma lumière. Sinon, ton stylo, hein, voilà. Il y a des endroits où ça peut rentrer facilement. Donc là... Et joyeux Noël ! On est passé en dessous de la ceinture. Je l'attendais, celle-là. Bon, on s'en sortira pas. Hein. Ah, mais c'est la faiblesse des anges aussi, hein. Hein, si tu regardes l'historique des anges, leur faiblesse, c'est ça. Hein. C'est le dessous de la santé. Ouais, non, mais c'est toi qui disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu perché, voilà, vous avez plein d'informations, mais de l'autre côté, on est quand même là. Hein. Dans la matière, on rigole. Enfin, quelqu'un qui me comprend, bien. Bon, bref. Alors, 2 plus 4, plus 2, plus 1, plus 9, plus 7, donc on tombe sur 33. OK, donc le calcul que vous a montré Nora, en fait, c'est qu'elle prend ces trois parties qui représente l'année terrestre, la Terre. Donc ici, on va tomber sur 7. 1 plus 9 plus 7 plus 8, ça fait 34. Ça fait 3 plus 4, 7. D'accord ? Ouais. Là, ici, le 2, donc on tombe sur 2. Et 2 plus 4, on tombe sur 6. Donc 6 de 7. Ça, c'est mon alignement. On en avait parlé justement dans les méthodes de calcul, justement. Ça, c'est mon alignement. Ça veut dire que le premier, on l'avait expliqué, représente la Lune. C'est-à-dire qu'une lunaison, c'est 30 jours. Donc, le jour où vous êtes né dans le mois représente l'inclinaison lunaire au moment de votre incarnation. Donc, moi, j'ai une inclinaison en 6, ici, sur la Lune. Donc, ça veut dire que j'ai un esprit qui est dans l'harmonisation, dans la famille. Le mois de l'année, donc, c'est les 12, donc les fameux 12 apôtres, les 12 archanges, les 12
maison d'Israël, les 12, on peut décliner le 12 longtemps, hein, et donc tout tourne autour du Christ solaire. Donc ça nous indique votre soleil, comment incliner le soleil à ce moment-là. Donc le 2 représente l'association. Ok ? Ouais. Et l'année terrestre, ben, logiquement, représente la Terre. Donc la Terre représente le 7. Donc j'ai une Terre en 7, comme on dit. Et ce 7-là représente donc la spiritualité, la recherche intérieure. Ok ? La Lune représente l'esprit physique. Le Soleil représente votre lumière, votre âme, votre neshama. Et ben, la Terre représente le corps. Donc vous avez bien l'alignement corps, la Terre, le Soleil, l'âme et l'esprit, la Lune. On le voit, la Lune a un effet électromagnétique sur notre système nerveux, sur notre ego, sur notre façon, sur notre état. Donc, c'est bien l'esprit. Le soleil, ben, quand il y a le soleil, on est bien. C'est l'âme, la présence, la lumière, la vie. Et la Terre, bon, mais c'est notre corps. Donc, si on regarde mon alignement, c'est harmoniser dans l'association la spiritualité. Mais c'est ce que je fais tous les jours. J'harmonise dans l'association la spiritualité des gens. Ça, c'est une information secondaire, mais qui indique mon alignement. Mais l'information principale, c'est que je suis un 33. C'est vrai que si on fait 6 plus 2 plus 7, le résultat, ça va donner combien ? Ça va donner 6. 15. Et 15, ça va donner 6. Mais je ne suis pas un 6, moi. Oui. Et mais il y en a certains, voilà, c'est pour ça que je l'avais donné en deuxième calcul, hein. Bien sûr j'avais mis l'autre comme étant le prioritaire, mais en deuxième calcul, en faisant ça, tombait sur 11 ou 22. C'est ça, ça veut dire que pourquoi ? Ça veut dire parce que la personne s'est incarnée dans un premier temps, dans un cycle peut-être de... en 6. Voilà. Et ensuite quand on trouve le banc, en bas on ne peut pas trouver 33. Hein. Mais on ne peut pas. On peut trouver c'est 11 et 22. On ne pourra pas trouver les 33. Mais par exemple, si en bas, ça vous donne 22 et que la personne est walking, mais ça va vous donner son niveau. Quelle est la partie du dessus qui est descendue dans la matière pour aider la graine ? Ben, c'est un 22. Par exemple, vous avez Jérôme Matanael qui s'est incarné comme un 8 au départ et qui, au hasard d'une hypnose ou d'un choc justement entre... Voilà, boum ! Son énergie de 22 est descendue dans la matière. Matanael est descendu et a récupéré Jérôme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la chance, quand vous allez le voir en consultation, ce genre de choses-là, mais d'avoir accès à des informations, d'avoir accès à sa guidance, d'avoir accès à son énergie, grâce à ce walk-in-là. Et aujourd'hui, il se comporte comme un maître, il est là en train d'aider les gens. Donc, quand vous avez conscience de ce que vous êtes, effectivement, et que vous êtes commercial, je ne sais pas, moi, chez SFR, et que vous êtes, il risque d'avoir un problème de résistance intérieure. Hein, entre aider les autres et escroquer les gens. En gros, c'est ça. Hein. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté mon taf au bout d'un moment. Parce que je ne me sentais plus d'être un vendeur. Un 33, vendre du rêve aux gens, il est capable. Ça, c'est sûr. Mais... Je vais juste vous partager donc, ta définition de 6, 2, 7. Là. Tu vois les chiffres que tu as mis en bas. Ouais. L'esprit, l'âme, le corps, la signification se trouve ici. Voilà, je remets ça. Vous avez ici la signification de chaque cycle, donc de 1 à 9. Mmh. Et c'est là où on retrouve donc ton 6, l'harmonie. Oui. Le 2, l'association. Oui. Et le 7, vie intérieure, capacité de réflexion, d'analyse, tout ça. Donc, on est bien là-dedans, Cyriliel. Hein. Tu t'es pas planté, tu es bien avec les bons bagages. Est-ce que ça me représente ou pas ? Non, mais c'est ça, les gens qui me connaissent maintenant savent très bien que ça... Et moi, tous les jours, quand je fais des lectures angéliques, et que je fais les j'ai pas dit la numérologie, mais que je fais ma lecture angélique et que j'utilise le calcul, les gens eux-mêmes sont surpris de voir à quel point c'est précis. Tout de suite, ils disent, il n'y en a aucun qui me dit, ah non, c'est pas moi, c'est pas ça. Tous, ils disent, ah mais oui, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être. Parce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux que c'est ça qui bouillonne. Et pourquoi il y a autant de gens qui sont dans le mal-être ? Parce qu'ils sont en résistance avec ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont vraiment. Ouais. Vous êtes sur une planète où vous êtes. Même les petites vibrations, vous êtes des maîtres de la limitation. C'est-à-dire que les autres races de la galaxie ou les autres hein, qui sont là-haut, qui nous observent, ils sont incroyablement surpris de voir comment une race qui est autant dans les ténèbres arrive à trouver son chemin vers la lumière. Pour eux, vous êtes des stars. Quand tu t'incarnes sur la Terre, ça va ? Ah ouais ? Ouais, waouh, chapeau, félicitations. Parce qu'on est vraiment sur une planète, hein, c'est une planète rebelle, hein, c'est pour ça qu'il y a un firmament autour. Là.
pour pas que ce qui est ici se propage un peu trop là-haut. Hein, et pour ceux que c'est en haut, ne descendent pas trop en bas. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un chemin pour s'incarner. Mais dites-vous ce que les ufologues ils appellent la quarantaine. On est en quarantaine. Hein, Nora, tu connais ça? Tu connais ce terme? Ouais. Voilà. Et dans la Bible, on appelle ça le firmament. Tu vois, comme quoi on peut faire des connexions entre des termes. Alors, si tu dis le firmament, tu as un discours biblique, on te dit, ouais, mais non, mais en fait, tu sais, non, c'est pas ça. En fait, c'est... Et puis, le gars, il va te dire la même chose, mais avec un autre terme. Donc là, on est dans un combat de sémantique, on est dans un combat d'étymologie, on est un combat de mots, mais en fait, on est en train de dire la même chose. Merci, Babel. C'est tout ce que j'ai. Donc, donc voilà, donc, ce qu'il faut comprendre, donc là vous avez vu le calcul, donc le calcul vous pouvez tomber sur 11, sur 22, sur 33. Ne laissez personne vous dire que vous êtes un 2, un 4 ou un 6. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent me voir, même mon numérologue m'a dit que j'étais 2. Et quand je lui explique que c'est un 11, ben oui, mais c'est moi ça. Quand on vous dit que vous êtes, on va aller voir un parent maintenant, mais quand on vous dit que vous êtes un 4 alors que vous êtes un 22, il y a juste à regarder ce que... Moi, j'ai juste à regarder ce que la personne fait. Oui, ben Stéphane Cole, par exemple, là, j'ai fait un petit coucou, il est avec nous ce soir. Donc, ce n'est, bon. Tu n'es pas un 4, tu es un 22. Bonsoir Stéphane, hein, enchanté. Et quand on voit ce qu'il fait, on comprend. Non, mais quand on va expliquer ce que c'est un 22, vous allez voir que Stéphane, effectivement, est réellement un 22. Non pas parce que j'ai fait le calcul, mais dans ses actes, dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait pour nous, dans ce qu'il fait pour vous, dans ce qu'il fait en règle générale, vous allez reconnaître Stéphane dans la définition du 22. Et la définition du 22, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je ne l'ai pas fait en fonction de Stéphane, disons. Je l'ai fait en fonction de l'énergie que dégage la personne. On n'est pas dans la définition sémantique ou étymologique. Là, on est dans les définitions énergétiques, qui est la seule définition qui devrait exister. On ne devrait pas définir les choses par le dictionnaire, mais on devrait définir les choses parce que par les énergies qu'on ressent à travers elles. C'est tout. Alors maintenant, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez, ça ne vous apportera jamais le savoir divin. Vous allez avoir beaucoup de connaissances, mais ça ne remplacera jamais le savoir divin. Quand vous avez des informations, vous n'êtes plus dans l'accumulation de connaissances, vous êtes dans le vécu énergétique. C'est-à-dire que vous allez accéder à des mémoires. Moi, tout ce que je viens de vous dire là, je ne l'ai pas lu. J'ai eu la chance d'avoir des gens comme Alphara qui m'ont ouvert le robinet, d'accord, qui est capable de dispenser des enseignements comme il a pu nous donner, que je vous ai lu tout à l'heure. Mais une fois que vous avez votre propre information, vous n'êtes plus dans « je crois, je ne crois pas ». Vous avez votre information. Vous avez deux choix. Soit vous la partagez, soit vous la gardez pour vous. Moi, j'ai décidé de la partager. Maintenant, je ne suis pas là pour être... ni pour être validé par les spécialistes, ni pour que n'importe qui valide ce que moi je reçois. C'est comme si demain, toi, tu écris une biographie, non, hein ? Enfin, non, même pas. On écrit une biographie sur toi, et puis il y a quelqu'un qui a lu la biographie, mais en fait, quand tu avais 12 ans, tu es allé là et tu as mangé une crème à la chantilly. Non, non. Mais si, c'est marqué dans ta biographie. Tu vois, les gens, ils vont t'expliquer ta vie, en fait. Mais c'est ça. Moi, tous les jours, j'ai l'impression d'avoir... Mais pourquoi ? Mais... Je ne sais pas, moi. Okay. Ah, parce qu'il y en a un qui a dit ça. Ok. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. On y va. On change de sujet. Bon. Ça, c'est dit. Je voulais quand même te poser une question parce que je vois dans les commentaires que c'est arrivé à plusieurs, dont moi, parce que forcément, quand j'ai vu que mon grand frère, c'était un 33, je me suis intéressée à mes autres frangins. Et je vois que dans la fratrie, donc y a mon grand frère qui est un 33, un autre grand frère qui est 11, une petite sœur qui est 9 et une autre petite sœur qui est 11. Et là, je vois que souvent, ça se regroupe familialement ou même entre amis. Donc, j'ai appris que mon grand frère était un 33 par son ami à qui j'avais demandé qu'est-ce que c'était. C'était un 33, donc ils se côtoient. Enfin, y a un regroupement comme ça, familial, où les personnes qu'on côtoie, c'est ce qui se passe. Complètement. Je vais t'expliquer. D'ailleurs, on va faire une conférence là-dessus, justement sur les groupes d'âmes. Comment les âmes s'incarnent, hein, les fameuses flammes jumelles, les âmes sœurs. Il y a trop de mots pour expliquer des choses simples. D'accord ? Les âmes s'incarnent en groupe. Pourquoi elles s'incarnent en groupe ? Parce qu'elles font des ententes là-haut de s'auto-nettoyer le karma. OK ? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là ? C'est que vu qu'on passe justement ces ententes, on va se rencontrer à un moment donné, soit pour s'aider, soit pour se réveiller, ou soit pour nettoyer du karma. OK ? Donc, nettoyer du karma, ça ne veut pas forcément dire, ça veut souvent dire, par contre,
se tirer dans les pattes, créer des ténèbres pour l'autre qui va devoir transcender, c'est ça en gros, mais ça vaut aussi, réveille-moi, moi les gens, qui les 11, les 22, les 33 ou même les walk-in qui viennent me voir en consultation et je leur montre avec leur date de naissance et la mienne à chaque fois, cette conversation est écrite dans les étoiles, regarde, on est connecté par le 2. Je suis en train de t'harmoniser en association avec toi dans la spiritualité. Et toi, tu es en train de travailler sur ton changement pour pouvoir évoluer. Et ils sont comme ça à chaque fois. J'ai dit, mais quand est-ce que tu n'as pas compris que ça, c'était prévu depuis longtemps? C'était prévu même avant qu'on s'incarne. Tu vois? Donc effectivement, pourquoi tu as des 11, des 22, des 33 autour de toi? Eh, mais le premier qui se réveille, réveille les autres. Je fais partie d'un groupe, du groupe originel. J'en ai retrouvé quelques-uns. Tous les 11, les 22, les 33 qui viennent chez moi ne font pas partie du groupe originel, les fameux 144 000. D'accord ? Mais quand je les reconnais, on se reconnaît tout de suite. On n'a même pas besoin. Les gens me disent, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Et quand je te parle, j'ai l'impression que je parle à un frère ou à un ex ou je ne sais plus quoi, tu vois, ou à un père ou un… Ben oui, parce que dans la vie d'avant, j'étais ton père. Je suis ton père. Tu vois, il y a des reconnexions qui se font justement et, tout se, et les maîtres aussi s'incarnent en groupe parce qu'on a un travail commun. Moi, je sais qu'il y a certains walk-in, certains maîtres que je vais en plus former à ce que je fais pour déjà qu'ils m'aident dans ma tâche parce que j'ai beaucoup de monde en plus. Mais merci, merci Créateur, gratitude, merci Nora, merci tout le monde. C'est important que justement, on se réveille les uns les autres aussi. Alors, techniquement, on ne peut pas réveiller un autre, mais on peut inspirer quelqu'un à se réveiller. Et c'est ce que je fais tous les jours. C'est mon travail. Le premier qui se réveille, réveille les autres. Normal. Parce qu'on était tous en sommeil jusqu'à présent. Donc, c'est normal que tu aies… Toi, tu es peut-être la plus réveillée là en ce moment. Toi, tu es Metanova. Donc ah ben, je viens d'en informer 3-4 là aujourd'hui. Donc… Tu as fait ton travail et peut-être que s'ils écoutent, ils vont se reconnaître. Là, on va décliner le 11, le 22, le 33. Mais évidemment, on va commencer par les 11. Bah, déjà, je rigolais parce que même avec mon mari, je disais, bah, purée, Cyriliel, il me rappelle mon grand frère, tu vois. Et donc, là, découvrir là, à midi que c'était un 33, je dis, mais voilà pourquoi. Mais en même temps, c'est difficile de parler à un 33 parce qu'il sait tout, tu vois. Mon frère me dit, je sais, tu peux rien lui dire. C'est puissant, le 33. La différence entre une vibration classique et une vibration maître, en fait, ce qui va se passer… C'est au niveau de l'ego, au niveau de la distorsion. C'est-à-dire qu'on récupère, quand on s'incarne, on récupère aussi une distorsion. Par contre, une question voilà, de Fruity Angel qui te dit justement là-dessus. Bonsoir, les vibrations maîtres ont une grande lumière, mais aussi un ego puissant. Comment équilibrer donc sa lumière et ses ténèbres? Merci, bonne soirée à toutes les lumières. Eli Maya, 33. Elle parle de cette puissance de l'ego. C'est, Effectivement, parce que ce qui va se passer… Là, j'ai des frissons. C'est bon, les gars, arrêtez. Chatouille. Effectivement, très bonne question. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, entre une vibration classique et une vibration maître, c'est que la vibration classique, à un certain niveau, elle est plus dense. Mais la bande passante à gérer est plus petite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu as trouvé la faille, ou au bout d'un moment, elle lâche prise, la vibration classique. L'ego d'une vibration maître, il est beaucoup plus éthéré. Beaucoup moins compliqué à traverser pour certaines informations, mais il est tellement large. C'est pour ça qu'on dit que tu as un ego surdimensionné. Ce n'est pas ceux qui ont un ego surdimensionné qui sont les plus difficiles à convaincre. C'est ceux justement qui ont un petit ego bien trapu, bien dense. Tu vois le 1 là, c'est celui qui te sort ta vie directe. Tu vois le petit 1 là. Lui, il te prend les nerfs parce que lui, il te bouffe. Tu vois. Mais ce qui va se passer, c'est que l'ego maître, effectivement, la bande passante à couvrir pour le réveiller est très large. C'est pour ça qu'on vit, des réveils extrêmement compliqués, à part pour les princes planétaires qui se réveillent comme des fleurs. Hein? On a justement un éveil extrêmement… On est obligé de… Moi, je suis tombé au fond du seau, et après, quand j'étais au fond du seau, je n'ai pas compris, je suis allé au fond du puits, et quand je suis allé au fond du puits, j'ai commencé à creuser. Et là, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'ai dit « Ok, on va remonter. » Tu vois, c'est ça un maître. Réveiller un maître, c'est extrêmement… Parce qu'ils sont tellement puissants que finalement, même dans la pire des galères, ils peuvent toujours se relever, mais pour aller même dans la mauvaise direction. Mais ils ne le savent pas, ça. Mais… Exact, c'est ça. Tu as tout compris. C'est qu'ils ont tellement la capacité de transcender n'importe quelle galère
que ils vont dire, bah, c'est pas grave, j'en sors toujours. Tu les entends, les maîtres, des fois, ils le disent. Ils sont inconscients, mais ils te le disent. Ils disent, oh, mais de toute façon, je trouve toujours un moyen. Oui, mais c'est quand tu en as marre de mal vivre, tu vois. Essaye d'être dans ta mission et c'est encore mieux. Mais l'Himalaya, effectivement, tu as raison, c'est puissant. C'est puissant. Moi, je te dis, des fois, je suis là, coucou, je dis, arrête. Et non, il n'arrête pas. Tu vois, c'est ça, donc il faut envoyer la lumière, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on doit être l'équilibre, on doit, comme dit Alphara, be the love wherever you are, c'est-à-dire sois l'amour n'importe où tu sois, be the love, il nous disait toujours ça. Choisissez de perdre, il nous disait tout, parce que l'ego de maître veut tout le temps gagner. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que, mais non, parce que, tu sais, quand tu sais quelque chose, c'est vrai que les maîtres, moi j'ai remarqué des fois, je regarde les vidéos, j'ai dit, mais les gens doivent penser que tu es un connard en fait. C'est quoi cette arrogance là tout d'un coup? En fait, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. On sait de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, c'est perçu par les gens qui ne savent pas comme de l'arrogance. Mais en fait, l'arrogance, ce n'est pas toi qui l'as émise, c'est leur perception de toi parce que tu es en train d'amener quelque chose qui les dérange ou qui les perturbe. Donc, ils préfèrent dire que tu es arrogant, mais en fait, ils n'ont rien pour contrecarrer ce que tu es en train de dire à part ce qu'ils perçoivent de toi. Ils vont aller chercher des incohérences pour dénigrer ce que tu es en train de dire parce que ce que tu es en train de dire les ramène à ce qu'ils sont eux. Et ça, les gens, ils ne veulent pas voir ce qu'ils sont. Tu vois ? Donc, être un maître, c'est compliqué aussi. Quand tu es réveillé, en plus. Quand tu n'es pas réveillé, c'est cauchemardesque. Le moyen de réveiller un maître, c'est très dur. On me dit, mais tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le réveiller. Je peux réveiller personne, moi. Je peux l'inspirer. Je peux lui montrer des signes. Quand on est là-haut, les gens qui sont en communication avec les anges vous le diront. Ils m'envoient des signes. Si vous entendez une voix dans votre tête, ce n'est pas l'ange qui vous parle, hein, c'est votre ego qui vous l'a fait à l'envers. Mais si vous ressentez un ressenti ou que vous voyez une synchronicité quelque part et que vous êtes capable de la décoder, oui, là, c'est vraiment eux. Les fameux nombres doubles là, qu'on voit partout, 11, 22, 33, 11h11, 22, 22. Oui, ça, c'est des signes. Ah, t'es sur le bon côté, t'es pas sur le bon côté. Tu sais, quand t'as une voiture devant toi qui a marqué 666 sur la plaque de matriculation, change de route. Hein. Ou rappelle-toi ce que t'as fait dans la journée parce que ça va pas être jojo. Fais autre chose le lendemain. Fais autre chose. Hein. Change de planète, hein. On va te refaire sur Jupiter direct hein, parce que c'est chaud. Tu vois, mais moi, toute la journée, je vois des 11, des 22, des 33. Je vois les heures doubles. C'est impressionnant. Tu vois, donc effectivement, il y a des signes comme ça quand ils sont là-haut ou quand on est là-haut, on devrait dire, on envoie des signes, on guide, on a un accord de non-interférence à passer quand on est là-haut. Mais il y en a qui trichent, hein. Je les vois là, les anges gardiens, là, hop, là tu devais te faire écraser, tu t'es pas fait écraser, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, on voit des vidéos partout sur Internet, tu dis, ah, bon là il a triché, mais il a triché parce que c'était important, tu vois. Mais voilà, donc, il y a une différence entre la voix dans votre tête et la guidance intérieure. D'accord ? La guidance intérieure, effectivement, ça vient de là-haut, mais ça vient de votre vous supérieur. Un 33, un 11, un 22 et un 33 est capable de descendre la présence de son soi supérieur en lui. Mais encore faut-il qu'il le veuille. Si tu as un conteneur de 33, parce que c'est ça qui se passe, c'est des conteneurs. Quand tu t'incarnes en 33, tu es un 33. Ça ne veut pas dire que tu as la lumière à tous les étages. Ça ne veut pas dire que tu as descendu la lumière. Ça ne veut pas dire que tu as dépouillé toute ta lumière. Ça veut juste dire que tu as la capacité de le faire. Il y a des 33 qui ne se réveillent pas. C'est pour ça qu'il y a des walk-ins. Alors, allons voir. Donc là, il nous reste à peu près une heure. Peut-être qu'on dépassera un poil ce soir. Il y a énormément de questions, bien sûr. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir liker en plus les questions déjà posées. Comme ça, il n'y en a pas trop. Donc, merci de le faire parce que je vois qu'il n'y a pas trop de mouvement depuis tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions, mais il y en a énormément, des super intéressantes. Mais voyons déjà un petit peu avec toi. Donc, qu'est-ce qu'un maître en 11, en 22 et en 33 ? Quelles sont les particularités ? J'essayais de vraiment les mettre en synthétiser, vraiment. Ouais, mais sur lequel on commence. Les 11, à tout seigneur, tout honneur. Les 11. Très bien. Je partage donc la fiche sur les 11, je le fais tout de suite. Oui, tu la mets. Tu parles là-dessus. Mm-hmm. Alors, donc, ben, je la prépare, hein, puis je ne l'avais pas préparée. Voilà, c'est bon. La date de naissance, quand vous additionnez, donne 11 et non pas 2, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, donc 11, c'est vrai qu'on va l'associer tout de suite à la vibration angélique. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la fragmentation, quand l'âme, hein, c'est pas pour rien que quand on ascensionne, on dit « Ah, t'as gagné tes ailes ».
Cette expression est courante, et pourtant personne ne fait le rapprochement. C'est-à-dire que oui, quand tu ascensionnes, tu gagnes tes ailes, tu gagnes ta vibration angélique. Et donc, quand tu arrives à cette vibration angélique, effectivement, la vibration angélique du 11, elle est très présente. C'est des gens qui sont dans le soin la plupart du temps, d'accord ? Ouais. Sont des guérisseurs, des infirmières, des gens comme ça, tu vois ? Des infirmiers, des docteurs, des thérapeutes, il y en a beaucoup, des 11. C'est des guides aussi. Alors, eux, ils ne guident pas vraiment dans l'enseignement. Ils vont donner une guidance. Alors, des fois, ils ont des dons de voyance ou de médiumnité. Pas des fois, la plupart du temps, mais pas tout le temps non plus. Hein, ne dites pas que je suis 11, je n'ai pas de don. Si vous avez très forte intuition. Exactement. Une intuition. Alors là, moi, j'en ai une à la maison. Ces intuitions, c'est, on dirait un radar, le truc. Dès qu'elle a une intuition sur quelqu'un, tu peux être sûr que 2-3 jours après, hop, c'est bon. Hein, très forte guidance intérieure, le 11. D'accord ? Et très forte communication avec le divin. Ça, c'est... Voilà. Le 11, on le voit. Il y a ce côté aussi très, très, très maternel chez les dames ou paternel chez les hommes. C'est vraiment des gens qui sont dans un altruisme. Bien évidemment, on a dépassé le plus haut niveau d'altruisme humain. Donc là, on est dans le niveau d'altruisme angélique. Comme pour toutes les vibrations maîtres, je vais le répéter dans les trois, faites attention, les 11, quand vous donnez votre lumière, les humains, vous leur donnez ça, ils prennent ça. Parce qu'ils ont été programmés dans la peur du manque. Donc, comme ils sont dans la peur du manque, ils vont toujours prendre plus que ce qu'ils ont besoin. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous retrouver très fatigué, très drainé, très capoute, ok ? Parce qu'à un certain niveau, ça peut vous arriver d'être dans une pièce quelque part, même si vous ne faites rien, vous avez une espèce de conteneur derrière, là, immense, et il y a marqué « servez-vous ». Et toutes les vibrations inférieures vont venir vous pomper. Parce qu'ils savent ce que vous êtes, une super empathe ou un super empathe. Donc, ils vont abuser. Faites attention à l'abus. Protégez-vous. Vous êtes le double 1, les 11. Donc, un double ego, un ego divin et un ego terrestre. D'accord ? Donc, ne les faites pas se combattre, ces deux-là. Faites attention. Parce que, comme je l'ai marqué en dessous, il y a un rapport émotionnel chez les 11 très présent. Ils sont très directifs, très autoritaires et l'ego est encore un peu dense. Oui. Hein ? Donc, faites attention à ça. Ça, c'est un peu les petits défauts des 11 et qui se répètent vraiment chez les 11. Ils aiment bien les choses dans l'ordre. Ils mettent de l'ordre. Ça, c'est leur travail. Je transforme la lumière en ténèbres. Les ténèbres en lumière, pardon. Je transforme le mal-être en bien-être. C'est pour ça, ce côté soin. C'est leur capacité à transformer les ténèbres en lumière. Ça, c'est les 11. Ça, c'est... Voilà. Donc, en gros, les 11, c'est vraiment leur particularité. C'est ce côté un peu angélique, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, t'es un ange. C'est pareil. Ils ont vraiment ce côté-là pur, amour, bisounours, tout ça, mais avec un côté aussi assez... attention. Oui, mais je reconnais. Donc, mon grand frère et ma petite sœur en 11, hein, voilà, on est dedans. Tout juste très, très proche du 9, parce que donc j'ai mon autre sœur qui est 9. Eux, ça serait des gens qui seraient dans l'association, tu vois, mais c'est tout. Tu vois, tu ne peux pas dire à un 11 qu'il est 2, quoi. Alors oui, bien évidemment, l'altruisme, l'aide à l'autre se passe en association, donc tu ne te trompes pas quelque part, mais le taux vibratoire, enfin la vibration, la fréquence de la personne est beaucoup plus large, beaucoup plus... Le niveau d'empathie est énorme chez les 11. Ouais, mais niveau personnalité, tout ça, je trouve que ils sont effectivement, les 11, je les trouve assez proches du 9. Tu vois, oui, complètement. Ils sont encore proches de l'humanité. C'est pour ça que la vibration angélique est la plus proche des hommes. C'est elle qui. C'est eux qui guident les hommes, c'est les anges. Tu vois, là, je parle des anges au niveau angélique. Tu vois. Donc, effectivement, quand ils viennent dans la matière, ils ont cette énergie-là qui se représente. Mais c'est l'étape juste avant l'homme, ça dépend de quel côté tu regardes, ou juste après, si tu regardes d'en bas vers le haut. Mais effectivement, c'est l'énergie qui se rapproche plus de l'énergie humaine, mais vraiment l'énergie humaine transcendée. Ouais. Des bons humains, des belles âmes, comme on le dit, hein, des beaux humains. Ils ont passé, ils ne sont plus des âmes maintenant, ils sont des vibrations maîtres, mais c'est des belles âmes. Ils viennent de gagner leurs ailes. Donc voilà. Des petits oiseaux. Millions les 11. Alors, partons donc sur le 22, avec un petit coucou à Stéphane. Voilà. On parle de toi, là. Vous allez retrouver un peu de Stéphane, enfin, même beaucoup, je pense, là-dedans. Les 22, c'est l'énergie des bâtisseurs. D'accord ?
c'est vraiment les bâtisseurs. Bon, j'ai mis vibration archangélique, hein, même s'ils ne sont pas tout à fait des archanges encore, mais ils sont dans le programme pour le devenir. Okay, donc, c'est des fédérateurs. Ils fédèrent les gens. C'est des travailleurs de lumière. Ils créent des structures. D'accord ? Comme des chaînes de TV sur le web. Tu m'étonnes. Hein, Stéphane Coll. Alors, pourquoi on dit c'est la vibration archangélique ? C'est les bâtisseurs, c'est les architectes divins. Archange, architecte, même racine. D'accord ? C'est les archétypes. Ils sont plus, eux, dans l'action que l'ange. C'est-à-dire qu'eux, ils se retroussent les manches et ils y vont. Tu vois, c'est des bêtes de travail, les archanges. C'est un truc de dingue. D'accord ? Ce sont des stratèges. Ils ont des grands idéaux et ils créent, non pas pour eux, mais ils créent pour les autres. Complètement. OK ? Ils ont des tendances à la dépression, à la surtension, au surmenage, du coup. Et ils ont du mal à travailler dans le monde du travail conventionnel puisque c'est des gens qui ne peuvent pas accepter les structures qui ne sont pas dans la lumière. Donc, toutes les structures qui vont être à contre-courant ou qui sont au service de soi, ça ne marche pas pour eux. Ils vont transformer, par exemple, un travail lambda, ils vont le transformer en quelque chose d'altruiste. Tu vois, j'en ai eu un justement, quelqu'un qui était dans le bâtiment, tu vois, qui était dans le bâtiment, qui avait cette énergie de 22 et qui me dit, je vais créer, justement, là, je vais me mettre à mon compte et je vais créer une structure qui va construire des habitations spécialement pour les handicapés. Voilà un 22. C'est qu'il te prend un métier basique, le bâtiment, et il te le transforme en quelque chose d'aide pour les autres. D'accord ? Et c'est bâtisseur, bâtiment, lui, il est dans son alignement. C'est tu ça. Vois, je vais même vous donner la petite astuce de Stéphane pour contrecarrer la tendance dépression, surtension, surmenage. Il donne à fond, c'est clair, mais il prend des pauses. Il sait prendre des pauses. Il sent le côté, hop, la corde qui tire et d'un coup… Il maîtrise. Donc, c'est un vrai maître, Stéphane. Et il revient, nickel. Il perd ses énergies. C'est très bien. Bravo, Stéphane. C'est dommage. Chapeau. Ouais, ouais. J'ai tout compris. Et oui, parce que si tu... Et moi, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire, tu vois, en tant que 33, par exemple, de prendre des pauses ou de prendre du temps pour moi. J'ai énormément de mal à faire ça. Et en plus, l'énergie du 33, on va le voir, mais l'énergie du 33, c'est vraiment dans le sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne pense plus du tout à nous. Plus du tout. Il va arriver un moment où on a du mal à se détacher de la mission. Tu vois, c'est très compliqué. Moi, je suis dans un taux vibratoire. Justement, quand j'essaye de descendre, je descends tellement bas que c'est là que je prends les attaques. Donc, j'essaye de rester en haut le plus souvent possible. Maintenant. Alors, passons-y donc au 33. Hop, je prépare la petite affiche. Je vous fais le partage d'écran tout de suite. Voilà, les 33. Et bien sûr, avec vos questions, on va pouvoir repartir sur chacun des points. Oui, bien évidemment. Là, on va aller plus loin. Alors, les 33, c'est la vibration des guides. La vibration, on appelle aussi la vibration christique. En fait, les 33, c'est un mélange du 11 et du 22. Vous allez le voir, c'est vraiment… Les 11 plus 22, ça fait combien, Nora ? Pardon, 22 plus 11, 42. Non, 11 et 22. On est bien sur le 33, ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. C'est un grand canal d'information et de lumière, très haut niveau vibratoire, savoir divin, échange puissant avec les mondes célestes, sens du sacrifice, leader, guérisseur, guide, clarté de communication. Mais oui, le 3 étant le nombre de la communication, là, le double 3, effectivement. Grande souffrance, par contre, les 33. Tyrant, dépendance, colérique et dépressif. Voilà, ça c'est moi. C'était moi quand j'étais pas réveillé. Ça. Le tyran, colérique. Bon, alors j'avais donné l'astuce pour les 22 grâce à Stéphane et à son exemple. Il va falloir que tu nous donnes l'astuce pour les 33 pour contrecarrer ce côté là où ça peut partir. Mais oui, et déjà tu sens qu'au niveau vibratoire, ben, forcément, et comme disait Alphara, be the love, il faut vraiment envoyer la lumière tout le temps. C'est-à-dire qu'on a cette capacité-là en plus d'envoyer la lumière tout le temps, mais un 33 pas réveillé, je peux vous dire, c'est très, très, très compliqué. Je l'ai été pendant longtemps et je peux en parler. Je n'ai pas honte de dire ce que j'étais. Moi, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je m'assume. C'est parce que je me suis assumé complètement, c'est parce que j'ai réalisé ce que j'étais que j'ai été capable de le contrecarrer, que j'ai été capable à un moment donné de le régler, d'envoyer la lumière dans cette partie-là de moi.
et de l'assumer, de la fusionner avec moi pour encore mieux être en harmonie avec. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout les 33, bon, je veux dire, on a un appétit à tous les niveaux. Hein. Nourriture, tout, quoi. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ah, vous faites tout à fond. À tout le temps. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que suivant les moments de lumière, de fatigue et tout ça, forcément, il faut que si on descend trop bas, c'est compliqué parce que tu vois, quand tu es un peu fatigué, que tu subis une attaque frontale, hein, des gens qui n'ont pas regardé mes émissions sur l'ego, par exemple, et qui viennent t'amener une attaque frontale, non pas dans un esprit d'échange, mais dans un esprit de justement de se rassurer eux peut-être quelque part. Tu vois, c'est quand tu es fatigué, je sens l'autre côté du 33. Tu vois, j'essaie de rester courtois, tu sais, dans le respect et la dignité humaine. Ah, c'est moi qui ai bugué ou c'est toi ? Non, non, moi je suis toujours là, d'ailleurs. J'ai été figé. Il y a même mon chat qui a entendu 33 qui est arrivé, peut-être tu parles. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. La recette que je pourrais donner aux gens, le 33, peut-être par rapport au 11 ou au 22, où c'est, pour le 11, c'est moins contraignant. Le 22, il est un peu comme le 33. Si vous n'êtes pas dans votre alignement, c'est dur. C'est dur. Être ce qu'on fait, faire ce qu'on est. Les 33, on est vraiment... Tu sais, les gens, ils attendent le retour de Jésus. Hein. Les chrétiens, là, les mormons, tout ça, Jésus revient. En fait, c'est pas Jésus qui revient, c'est l'énergie christique qui revient sur Terre. Et donc, nous, les mini-Christ, on doit descendre cette énergie. C'est notre travail. Tu vois ? Donc, effectivement, c'est extrêmement compliqué... d'être devant des fois des gens ou des personnes qui pensent être à un certain niveau et qui ne le sont pas. J'ai jamais vu autant de psychorigides de ma vie que dans le monde spirituel. Justement, à un moment donné où tu dois être ouvert et tout accueillir, non. La dernière fois, ils nous ont parlé avec Sangara de fausses lumières, de faux trucs. Et effectivement, justement, quand tu t'élèves, Tu es dans le lâcher-prise, tu es dans la liberté, tu es dans l'accueil. Tu es pas dans « tu dois être comme ci, tu dois manger comme ça, tu dois faire tant de méditation par jour, tu dois… » Non, non, tu n'es pas là-dedans du tout. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, à un moment donné, quand tu es un 33 et que tu dois faire face à ces côtés, à tes distorsions… La seule chose que tu as, c'est être l'amour inconditionnel, envoyer l'amour et ne pas hésiter à couper avec ses énergies des fois parce que le retour peut être terrible. Et c'est ça, les gens, ils ont pas conscience. S'ils avaient conscience du retour de bâton, déjà que nous, on a envers nous-mêmes chaque fois qu'on sort de l'alignement. Mais par exemple, si tu te fais du karma avec un 33, le karma que tu vas récupérer sera au niveau du 33. Si tu fais un karma avec un 1, ce n'est pas trop grave. Tu vas retrouver un karma de 1. Tu vois ? Mais si tu fais un coup à un 33 ou un truc comme ça, c'est difficile après. Fais attention. Tu vois ? Surtout que comme le 33, il nettoie lui-même son karma, il se pourrait bien qu'il se le nettoie sur ton visage. Attention, il y a vraiment ce côté, ah oui, bombe à retardement. Donc, c'est pour ça que justement, on a un niveau de maîtrise supérieur pour avoir ce self-control, contrôle de l'ego, pour avoir cette gestion, pour avoir cette... On nous donne la lumière qu'il faut pour transcender justement nos ténèbres. Moi, j'ai de la chance d'avoir une carrure qui m'évite d'avoir ce genre de soucis-là. Hein? Donc, on m'attaque pas vraiment physiquement. Je peux subir des attaques psychiques, je peux subir des attaques directes, frontales, même de gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils m'attaquent, qu'ils ont appuyé sur le bouton rouge. Parce que la petite vibration, et c'est ça qui est difficile pour les maîtres, la petite vibration, elle voit le conteneur. Donc, elle va venir se nourrir sur toi, surtout si c'est une âme, une de tes graines, justement, qui elle, vient nettoyer son karma. Donc, elle voit papa, elle dit, tiens, je vais taxer de l'argent à papa. Donc, elle vient te voir et puis elle t'attaque pour que tu lui donnes la monnaie de sa pièce, comme on dit. Et là, forcément, elle va vivre une expérience qui va la faire monter en vibration. Dites-vous, les maîtres, que les petites vibrations vont toujours venir vous pomper. Donc, c'est pour ça que vous devez être maître, souverain de votre énergie pour donner à ceux qui ont besoin et ceux qui n'ont pas l'énergie que vous avez. Parce que le maître non réveillé va avoir tendance à se faire pomper, vampiriser complètement.
Donc, c'est pour ça que je dis toujours, oui, prenez soin de vous d'abord pour pouvoir donner votre lumière ensuite. Une fois que vous êtes vidé de votre lumière, prenez un moment comme Stéphane pour vous re-remplir. Tu vois, lui, il a certainement enregistré ça dans son champ énergétique. À un moment donné, il fallait qu'il prenne le temps de se recharger. Parce que la plupart des maîtres, moi le premier, je ne prends pas ce temps-là. Et des fois, je suis KO. Des fois, je ne suis pas bien. Parce que je ne prends pas le temps de me recharger. Donc, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein. Mais voilà, je me l'applique tous les jours à moi-même depuis quelques temps. Je fais vraiment attention parce que effectivement, je me suis rendu compte que maintenant, il y a beaucoup de monde qui me sollicite. Donc, de ce fait, je dois prendre ces moments que je n'avais pas à prendre avant, où j'étais juste 10% du temps, tu vois. Donc, Stéphane, il doit le savoir, hein, il travaille, ça va être du boulot de tenir cette chaîne. Il a raison, suivez l'exemple de Stéphane, prenez des moments pour vous recharger en lumière. Parce que moi, quand je suis rechargé, quand je suis en top en lumière, hein, tu peux venir me traiter de ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais, ça glisse. Voilà. Mais je suis dans la matière, je suis comme tout le monde. Quand je suis fatigué, fais attention. Et je ne prends que ce qui m'appartient. OK ? Le reste, bon, tu peux bon me conseil. Reprendre de retour. Bon voilà. Conseil pour les 33. Alors, c'est parti. On va commencer le jeu des questions-réponses. Allez, il y en a parti. Plein. Alors, essaye de faire court au niveau des réponses parce qu'il y aura certainement d'autres questions pour aller encore plus loin et ainsi de suite dans les détails. Il y en a beaucoup. Alors, je vais prendre un petit peu au hasard. Ça va aller dans tous les sens. Donc, on a notamment sur la première, là, la question d'Isabelle. Elle est montée tout en haut. Il y a 32 personnes qui l'ont likée, qui nous dit « Bonsoir Cyrilia et Nora, bonsoir à tous. Est-ce qu'un 11 ou 33 non éveillé ou qui n'a pas accompli sa mission dans cette vie, revient s'incarner dans la même vibration. S'incarne-t-on dans la même vibration plusieurs fois ? Merci beaucoup, Isabelle. Alors, quand on est dans une vibration de 1 à 9, effectivement, tant qu'on n'a pas transcendé le karma qui nous fait passer au niveau supérieur, on continue dans cette vibration. D'accord ? On continue dans ce cycle. Hein ? Avant de penser au thème, on va penser en termes de cycle et de vibration. Par contre, un 11 ou un 33 qui ne se réveille pas, non, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein. Lui, il a déjà ascensionné, il n'a pas besoin. En fait, quand on revient de façon volontaire. Encore une fois, on est sur une base de volontariat. Si tu as un 11, une 22 ou 33 et que tu n'as pas réussi à te réveiller en t'incarnant, tu remontes là-haut et te redonnes le même choix. C'est sûr que tu vas redescendre. La dernière fois, tu ne t'es pas réveillé, ça ne te servit à rien. Tu vois ? Ouais, tu vas redescendre. Allez, redescends. Ça te fait plaisir. Voilà. Donc, effectivement, tu vois, des gens comme Alphara ou comme moi-même, on est 33. Depuis la fameuse grande ascension. Pourquoi ? Parce que d'entrée, on a décidé de revenir. Tu vois, on a décidé de revenir avec un nouveau matériel. Tu sais, ce n'est pas le matériel qu'on avait avant, là, où on était obligé de construire notre richesse spirituelle. Non, non, là, c'est un matériel tout neuf. Là, c'est comme si tu avais la super voiture de fonction. On te dit, vas-y, descends. Et voilà, réveille-toi. Et accomplit le plan, justement. Donc, non, un 33 ou un 11 non réveillé qui n'accomplirait pas sa mission, mais c'est difficile hein, d'être 11, 33. Tu peux l'accomplir, ta mission, sans en avoir conscience. J'ai énormément de gens qui viennent en consultation et qui se manifestent naturellement. C'est-à-dire, ce sont déjà des thérapeutes, ce sont déjà des gens qui sont dans le don à l'autre, qui sont dans le dépouillement de soi, justement, pour aider les autres. Là, des mères Thérésa, j'en ai, hein, vraiment. Hein. Des gens qui font des choses incroyables, vous n'avez même pas idée. Mais ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient un 11, un 22 ou un 33. Mais l'énergie était plus forte et ils accomplissent leur mission inconsciemment. La seule différence entre l'accomplir consciemment et inconsciemment, c'est que quand tu l'accomplis inconsciemment, ton énergie n'est pas stable. Ton énergie va… Tu vois, un coup tu vas être bien, un coup tu vas être… Vaciller, ouais. Exactement. Alors tu réponds en même temps, juste que comme ça, ça me permet d'en prendre une autre, mais la question de Naïma qui disait « Bonsoir, est-ce possible de réveiller un nombre maître ou est-ce un process ? Est-il possible qu'il ne se réveille jamais ? Merci. » Donc là, tu expliques qu'il peut qu'il ne se réveille jamais, mais que finalement, il soit dans sa mission, sans savoir que c'est un 33, un 22 ou un 11, mm-hmm. qu'il fasse son truc. Ouais. Mais c'est possible, donc il ne se réveille pas. C'est pas non plus dramatique. Et c'est là qu'on prend un risque énorme. Et c'est là qu'on prend, on est vraiment dans un sacrifice. Ce qui pourrait se passer, justement, quand tu ne te réveilles pas, c'est que oui, tu te réveilles, mais de l'autre côté. Et que tu donnes tout ton travail spirituel… Ah oui, là, c'est dramatique, par contre. que tu donnes tout ton travail spirituel à des entités qui, elles, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent aspirer ton énergie. Ah, mais oui. Et oui, oui, oui. Tout à l'heure, je vous parlais de gens, justement, de 33 qui pourraient être physiquement dangereux.
Mais c'est ça, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ils ont pas la... Si tu veux, ils ont la lumière pour contrecarrer, mais ils ne s'en servent plus puisqu'ils l'ont plus. Ils l'ont donné à quelque chose d'autre. Attention. Et ils sont donc puissants, extrêmement intelligents. Extrêmement, oui, oui. Tout le monde, moi, j'ai cette capacité justement d'avoir conscience de ma lumière, donc de l'envoyer au bon moment. Mais quand tu as un 33 pas réveillé, fais attention. Quand tu t'attaques à un 33 pas réveillé, run. Le montant de ténèbres est égal au montant de lumière. S'il n'y a pas d'équilibre dans la personne, aïe, aïe, aïe. Et un 33 qui est tout le temps dans la lumière, là, un bisounours, là, il n'en peut plus, il sourit tout le temps. Là, comme ça. Mais il a une vie catastrophique, parce qu'il n'est pas en équilibre. Donc forcément, l'équilibre va se faire. Donc là, la pauvre personne, moi je vais dire 33, je dis, mais tu ne dois pas vivre comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais pourquoi tu fais ça, tu t'aimes pas? Si, je suis dans l'amour. Oui, mais là, tu es trop dans l'amour. Là. Et à un moment donné, il faut que tu t'occupes de ton corps, il faut que tu t'occupes de tes affaires terrestres aussi. Quoi. Tu vois, c'est important. Et là, tu es obligé de rééquilibrer presque dans l'autre sens. Vas-y, lâche-toi, sors, va en boîte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, parce que c'est plus possible. Sa vie devient misérable. Donc, le niveau de réveil n'est égal aussi, Alphara a ce mantra, votre contribution à la lumière, d'accord, est déterminée par la compréhension du but de votre âme. The understanding of your soul purpose, the understanding of your work of light is determined by the understanding of your soul purpose. C'est ça qu'il dit tout le temps. Donc, effectivement, dès que vous avez compris le but pour lequel vous êtes ici, et bien votre participation au plan est beaucoup plus effective, beaucoup plus efficace. Et comme je vous ai dit, là-haut, ils vous mettent bien. Je suis la preuve vivante. Quand tu t'alignes avec le plan, Nora, elle est complètement dans son alignement. Tout se passe, tout coule, tout est fluide. C'est comme ça, quand vous vous alignez et que vous êtes un maître, alors là, c'est... On y va. Parti pour la loi de la trappe. Pop it up. Non, mais c'est ça. Pop it up, complètement. Alors, petite question au hasard donc de Jérôme. Je vois le nombre 44 dedans. Donc, il nous dit, rebonjour, peux-tu, Cyriliel, nous parler un peu plus des 44, s'il te plaît? J'en connais un avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Comment vivre une relation aussi particulière de la meilleure des façons? Merci pour tes éclaircissements, tes éclairements, Jérôme. Ouais, je vais faire le numérologue. Mais non, mais ce n'est pas un 44, c'est un 8. Allez, on change de question. Non, non, non. Les 44 sont extrêmement spéciaux, comme tu as pu t'en rendre compte, Jérôme. Ils ont ce côté un peu, alors, en anglais on dit off-world, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas encore arrivé à la maturité qui lui permet d'accueillir des vibrations de ce niveau-là. Il y en a très peu sur la planète. David Wilcock les appelle les wanderers, c'est-à-dire les âmes vagabondes. Ils font pas, en fait, ils viennent participer au plan parce qu'ils ont été autorisés à venir, mais ils ne viennent pas forcément de cette métagalaxie, ils ne viennent pas forcément à la base du plan originel. C'est-à-dire qu'ils ont entendu parler de ce qui se passait ici, et ils se sont pointés. Et c'est des gens qui, dans leur monde, ont atteint certains niveaux spirituels. D'accord ? Et justement, c'est pour ça qu'ils sont autorisés ici, pour, de la même façon que les Melchizedek, de la même façon que d'autres espèces sont autorisées ici, pour aider le plan. D'accord ? Il ne fait pas partie des 72 souches génétiques originelles, mais il utilise le portail d'incarnation, on va en parler aussi des portails d'incarnation, notre portail d'incarnation, pour venir sur Terre et amener aussi à son niveau son expertise, ses connaissances. Il vient aider. Tu vois, c'est comme tu es sur la route, là, tu tombes en panne. Bon, ça m'est arrivé plus au Québec qu'en France, j'avoue. Mais tu tombes en panne et il y a quelqu'un qui s'arrête et qui t'aide à réparer ta voiture ou qui te donne un bidon d'huile ou un bidon d'essence pour que tu puisses repartir. Les 44, c'est ça. C'est qu'ils sont là sur l'autoroute. Là. Ils te voient en galère, ils arrivent, ils se posent et ils t'aident sans que tu demandes rien. Donc, voilà pourquoi ils sont autorisés. Les vibrations 44, c'est un double 22. Calcul. C'est très puissant. J'en connais une. Un double Stéphane. En une personne. Ah non, il vibre forcément, tu as l'impression que tu es devant une divinité. Quoi. C'est, il vibre au niveau, ouais, c'est, ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants, les 44. J'en connais une. Donc c'est très rare. C'est très, très rare. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, d'avoir parlé donc, de ces 44. On passe alors
vraiment au hasard, hein. Je fais tourner la moitié. Ah bah tiens, Stéphane Coll qui nous dit coucou, voilà, au hasard, un petit coucou. Salut. Et bah, merci de nous avoir rejoints ce soir, et c'est vrai que tu as appris des choses, j'en suis sûre. Alors, il y a Robin qui nous dit... Alors, merci, je comprends tellement mieux cette envie de vouloir réveiller les autres, ce feu profond de vouloir bouger tout le monde et le kiff quand une nouvelle âme accroche dans ce chemin. Merci de me secouer la mémoire, Robin. Robin m'a donné un frisson. Notre plus belle récompense, c'est ça. C'est de voir une âme qui se réveille, qui comprend pourquoi elle est là. Et tu retrouves, et c'est impressionnant parce que tu sais que là, tu as un coéquipier. Là. Tu sais que tu as quelqu'un qui va se battre pour la lumière avec toi. Parce que c'est tellement gratifiant, j'ai encore des frissons, c'est tellement gratifiant de voir que tu as aidé une personne à se réveiller et qu'elle va se mettre au service du plan. Moi, ma vraie récompense, c'est ça. Ma vraie récompense, c'est ça. C'est quand je vois quelqu'un qui était dans le cauchemar, dans une espèce de tourment constant, et tout d'un coup, la personne, elle se réveille et commence, elle quitte son boulot, elle commence à se mettre à son compte, elle gagne mieux sa vie. Elle fait... Tu vois, quand je vois les gens qui se sortent de la matrice et qui se mettent dans la lumière, ah, ça, c'est, tu peux pas imaginer, comme elle dit, le kiff que c'est. C'est un boost incroyable. Et c'est ce qui me fait tenir, moi. De voir, c'est pas tellement les gens qui me disent « Ah, c'est réel, c'est génial, ce que tu fais. » Non, non, moi, les gens qui me font tenir, qui me font rester là, parce que moi, ce que je fais, j'attends ni l'approbation ni la validation de personne. Mais quand quelqu'un se réveille, j'ai ma validation. C'est là que ça valide que ce que je fais, ça vaut la peine que je le fasse. C'est ces gens-là qui se réveillent. Voilà. Il y a Sandra qui te dit aussi, « C'est incroyable, Cyriliel, comme cela résonne en moi ce que tu dis. Cela explique ma descente aux enfers durant laquelle j'ai tout perdu. Et depuis, je me retrouve tournée vers la spiritualité, les soins énergétiques et maintenant l'enseignement. » Merci, Sandra. Possible 33. Ah, mais c'est bon, vous avez décidé de m'envoyer des frissons ce soir, ça y est, c'est parce que vous avez senti que j'étais pas top top. Vous voyez, la lumière qui descend. Ouais, quand on se vide, hein, on est rempli. Là, là, vous l'avez en direct, hein, parce que là, je sens vraiment des trucs impressionnants. Il n'y a rien que ce que. Pourquoi ça résonne avec toi, Sandra? Parce qu'il n'y a rien que je te dis que tu ne sais pas déjà. C'est-à-dire que moi, je fonctionne avec cette résonance. Je ne fonctionne pas forcément dans la précision des informations que je donne. D'ailleurs, on peut voir les spécialistes qui, tout de suite, dès que je dis un truc un peu de travers. Hein. Mais si tu veux, je fonctionne avec cette résonance. C'est-à-dire que je vais résonner avec quelque chose qui est déjà en toi. De toute façon, et c'est pour ça que je dis aux gens, je sais que vous êtes des walk-in ou des maîtres parce que votre background énergétique, vos mémoires énergétiques, votre accumulation, votre expérience énergétique a déjà vécu ces choses. Comprends ces choses. Tu ne peux pas comprendre quelque chose que tu n'as pas vécu, appris et validé. Point final. Si ton âme n'est pas capable d'accepter une information, c'est parce qu'elle ne l'a pas vécu. Donc forcément, tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. D'accord ? Donc, pourquoi ça résonne en toi ? Parce que ton énergie en arrière, Sandra, elle a vécu les mêmes choses que moi. Elle a passé les 9 cycles, elle a galéré, elle a tout vécu quasiment. Donc forcément, quand je dis ça, ça résonne en toi et tu ne serais pas capable de le comprendre si tu ne l'avais pas expérimenté. Il n'y a rien que vous pouvez comprendre que vous n'avez pas expérimenté. Vous pouvez le gober, vous pouvez le valider parce qu'on vous dit de le valider à l'école ou sous la peur ou l'autorité de vos parents, mais vous ne le comprenez pas vraiment, réellement. C'est Einstein qui disait, si vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris. C'est pour ça, moi, je vous fais des dessins, ou si je parle à des enfants, mais si tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 6 ans ce que tu dois, si tu ne l'as pas acquis, ce n'est pas en toi, tu ne l'as pas compris, tu ne fais que répéter ou réciter ce que tu as lu dans un livre. Tu vois ? Mais ça, c'est important d'acquérir, de reconnecter avec ce savoir. C'est même pas que tu connectes avec ce savoir. Mais tu as vu tout ce que tu as dû souffrir, cette descente aux enfers, le mot n'est pas usurpé. La fréquence à laquelle vous vibrez quand vous êtes en 33 et que vous descendez se rapproche très fortement du bas astral. Hein, je vous le dis. Hein. Très, très noir. Compliqué. Mais oui, tout à fait, Sandra. Tout à fait.
Merci beaucoup, Sandra. Écoute, il y a beaucoup de questions, j'ai vu quand même, sur le terme Metanova, donc, que tu as abordé ce soir, comme il n'y aura pas d'émission, en tout cas prochainement, peut-être si on le lit à d'autres termes. Il y a Cédric qui te dit « Bonsoir Nora et Cyriliel, bonsoir à tous. Comment se passe la fragmentation et l'ascension pour un Metanova ?» Désolée si je suis hors sujet, j'ai vu aussi d'autres questions. Comment on... qui sont les Metanova. Donc, vite fait, une petite parenthèse. Donc, disons que l'avantage du Metanova, c'est que tu fais sauter le cycle karmique. Ils n'ont pas de karma. Donc, ils descendent n'importe quelle date de naissance, n'importe quand, mais ils ont une énergie 11, 22, 33. C'est un 11, un 22 ou un 33, quand je t'ai montré dans le schéma, qui descend, mais qui ne descend pas par le portail traditionnel. Il descend comme ça. C'est comme, tu vois, tu as l'habitude, je ne sais pas moi, d'aller à Euro Disney, tu vois. Et puis, ça fait tellement de fois que tu as été qu'ils t'ont filé un pass. Donc, d'habitude, tu n'as le droit d'y aller que le week-end. Mais là, tu peux y aller quand tu veux. Mais les Metanova, c'est ça. Hein. Vous descendez. En plus, l'avantage, c'est que vous descendez incognito. Des touristes. Là, c'est un peu le flic en civil, le Metanova. Tu vois, c'est, il est habillé en civil, il descend. Et il a la vibration déjà. Tu vois, c'est... Et puis, n'importe quelle vibration. Alors là, dans les Metanova, on a beaucoup de choses. On a des divinités, on a des trucs. Enfin, des enfants sacrés, des trucs comme ça. Enfin, c'est super impressionnant. Mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que pour la simple et bonne raison que je respecte mon auditoire et je ne parle que ce que sur je maîtrise. Les Metanova, je sais ce que c'est, j'ai une petite connaissance. Mais moi, je suis un vieux machin, tu vois. J'ai participé à la remise en place du système Walking, donc je le connais bien. Mais pour ce qui est des Metanova, on va dire c'est les générations d'après, là. Tu vois, c'est l'équipe, la deuxième vague là, qui se sont occupés de ça. Donc, je laisserai parler un ange de deuxième vague qui pourra vous parler mieux des Metanova. Il y a énormément de gens qui en parlent très bien. Il y a énormément de gens aussi qui disent n'importe quoi. Mais effectivement, je laisserai quelqu'un de mieux qualifié que moi pour vraiment vous raconter en détail les Metanova. Je sais ce que c'est parce que je fais partie du même bureau, hein, on va dire. Hein, tu vois ce que ton collègue y fait, mais tu n'es pas en détail dans son travail. Je laisserai un collègue vous parler des Metanova. Ça, c'est le respect que j'ai pour vous. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, j'en parle peu ou pas du tout. Voilà. Mais je sais comment ça se passe. Je vois d'autres questions. Quelle est la différence entre un Metanova et une vibration maître au niveau des vibrations? Merci. Donc, tu dis que finalement, c'est la même vibration qu'un 11, 22, 33. Ça va être une de ces vibrations-là. Et un réveil plus rapide. C'est-à-dire que tu vois des gamins. Hein. Forcément, l'ego est moins large. Donc, tu te réveilles plus spontané. Il y a moins de choses à gérer. Moi, je vois ma gamine, elle commence à me sortir les lettres de l'alphabet et elle ne sait même pas parler. Voilà. Bah tiens, regarde, il y a Isha, par exemple, qui nous dit « Je ne suis pas d'accord, Cyriliel, d'après ma date de naissance, je serai 1 et ce n'est pas vrai ce que tu dis sur l'ego ou alors je suis walking ou Metanova, assurance, pas arrogance. » Donc, voilà encore ce type de personnes. Ça arrive très souvent, des personnes qui donc voient leur numérologie mais ne se sentent pas le chiffre vraiment. Hein. Il y en a, ça va être « Ah oui, c'est moi, il n'y a pas de problème, voilà. » Et d'autres « Non, ce n'est pas ça. » Donc, est-ce qu'on est justement, comme elle dit, donc dans une histoire peut-être de walking ou de Metanova? Oui, peut-être walking ou Metanova, tout simplement. Enfin, je veux dire, et pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, encore une fois, il y a des catégories, mais il n'y a pas de, comment dire, chacun a son existence, chacun a son truc. Après, le fait que tu ne sois pas d'accord, ça ne veut pas forcément dire que tu as raison. Ça veut juste dire qu'effectivement, tu ne te reconnais pas dans la définition du 1. Donc, c'est une indication pour nous dire. Mais déjà, si tu es là avec nous ce soir, mais c'est que moi-même, avant même que tu me dises « je ne suis pas un 1 », le fait que tu sois là et que tu comprennes ou que tu écoutes même ce genre de conférence, ça m'en dit long. Le vrai 1, comme je le dis tout le temps, il n'est pas là avec nous. Là. Il n'est pas là ce soir, le vrai 1. Là, il est en boîte, il est en train avec son whisky coca et puis voilà, Isha. Tu vois, donc tu n'as même pas besoin de me dire « je ne me sens pas comme ça ». Ta simple présence ici me prouve que tu n'es pas un simple 1. Il n'y a pas de hasard. Mais oui, il n'y a pas de hasard. Moi, il n'y a rien de ce que tu me dis qui m'étonne. Bon, je vois qu'il y a encore d'autres questions sur les Metanova, comment devient ton Metanova, tout ça. On va peut-être garder donc cette partie-là, comme tu disais. Peut-être que finalement, en apprenant peut-être un peu plus là-dessus, d'ici quelques temps, tu pourras nous en parler un petit peu mieux lors d'une émission. Oui, mais, une petite parenthèse. Vous savez, comment ça se passe, hein, si ça tombe, on m'envoie le bloc, on me dit voilà, c'est ça. Mais on m'a dit que non, ça, tu t'en occupes pas, c'est pas ton souci. Ok, toi, tu t'occupes de... Et il y a déjà beaucoup de questions. Alors, je repasse donc sur les vibrations maîtres. Je vois beaucoup de dates de naissance qui défilent. Je vais faire tourner la molette de la souris. Allez hop, Alessandra.
Alessandra qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyriliel, que du bonheur de vous retrouver. Avec un chemin de vie 4, conjonction accomplissement 9 plus spiritualité 7 plus harmonie 6 égale 22, peut-on en conscience tout de même envisager un présent et avenir lumineux ?» Bénédiction Alessandra. Ah oui, complètement. Complètement. Surtout que tu as une super conjoncture. C'est énorme. 4, 7, 6, quoi. 9, 7, 6, quoi. C'est même, tu vois, c'est... Ah oui, c'est énorme. Tu as l'harmonie, donc ça veut dire que tu as ce pouvoir alchimique d'harmoniser, d'améliorer ce qui se passe autour de toi. Tu le fais dans la spiritualité en aidant les autres. Tu vas coller des frissons. Ta conjoncture est énorme. Tu es plus le 22 que le 4. Tu vois, donc soit Metanova, soit Walking. Mais tu as une super forte conjoncture, quoi. C'est Mère Teresa, quoi. Tout ce que tu touches, ça se transforme en or, toi. Il faut vraiment que tu te mettes au boulot, quoi, parce qu'on a besoin de gens comme toi, Alexandre. Ça, c'est... Oui, avenir lumineux, oui, si tu t'alignes. C'est toi qui choisis. Tu sais, ton destin, il est tracé. Maintenant, c'est comme si tu... C'est ton libre arbitre, c'est comment tu vas le vivre. Est-ce que tu vas le vivre dans le cauchemar où justement, tu ne seras pas du tout en harmonie, pas du tout dans la spiritualité et au service de toi? Mais ça sera la même, hein. Ça sera le même, tu auras le même, la même conjoncture, sauf que tu la vivras à l'envers. C'est ça le libre arbitre. Soit tu choisis d'être dans le cauchemar, parce que là, ta destinée, si tu te mets du bon côté de la barrière, je peux te dire, oui, on a besoin de gens comme toi. Merci Alessandra, merci d'être là ce soir parmi nous. Petite question d'Isabelle, qui sera peut-être en lien avec d'autres, suivant leur numéro. Donc, il nous dit « Rebonsoir, un 9 peut-il réveiller un 11 ou quel peut être son rôle pour le 11 ?» Merci. Voilà, comme on avait dit que les gens n'étaient pas ensemble par hasard. Alors, un 9 peut-il réveiller un 11? Bon, déjà, si un 9 se sent capable de réveiller un 11, c'est qu'il n'est pas tout à fait un 9. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui se cache derrière ce 9. Parce qu'un vrai 9, il ne se prend pas la tête avec un 11, hein, je te le dis tout de suite. Au moins, comme ça, c'est réglé. Après, ce qui peut être compliqué, c'est que si, par exemple, ton walk-in en arrière n'est qu'un 11, parce que je vais le dire, parce que je suis un 33 et je le sais. Par exemple, un 33 va avoir énormément de mal. L'ego du 33, hein, ou la distorsion du 33, va avoir énormément de mal à accepter, à considérer qu'une vibration qui est en dessous lui donne un ordre ou lui donne quoi que ce soit. Moi, je veux dire, Alphara, il a pu m'enseigner parce que c'est un 33 hyper puissant. Mais sinon, il n'y a rien qui est rentré. Hein. C'était moi, Mimal Sefenai. Hein. C'était laisse tomber. Donc, effectivement, ça prend une vibration à un moment donné qu'on reconnaît énergétiquement comme plus éveillé ou plus énergisé, on va dire comme ça. Je ne vais pas dire supérieur parce que je n'aime pas ce mot-là, que tu vas pouvoir assimiler. Donc, effectivement, si tu essayes de réveiller un 33 et que tu es un 11, tu vas avoir du mal, je te le dis tout de suite. La fréquence ne passe pas, plutôt une histoire de fréquence plutôt que hiérarchie ou quoi que ce soit. C'est pas une question d'hiérarchie, ça ne rentre pas, ça n'a pas la même fréquence, quoi. Tu vois? C'est comme le sucre avec l'eau. Tant que le sucre ne s'est pas dissous, il ne vibre pas à la même fréquence que l'eau. Mais quand il vibre à la même fréquence de l'eau, il transforme l'eau, il la rend sucrée. À méditer. Merci beaucoup Isabelle. Marie qui nous dit « Bonsoir, je suis 33 et mon mari est 33 aussi. Pensez-vous que les 33 se retrouvent pour vivre un bout de chemin ensemble ? Merci pour cette belle soirée, Marie. » Deux 33 ensemble ? Ouh là là. Les deux warriors. Là, c'est peut-être pour travailler des trucs, tu sais, alors, tu parlais de… Bah, moi, je fais des conjonctures, enfin, je fais des lectures angéliques de couple, hein. Justement, il faudra un atelier là-dessus. Et d'ailleurs, tu sais quand est-ce que, donc, par hasard, hein, on a placé donc, une vibra-conférence libre pour tout le monde sur justement ces histoires de couple, comment dire. Alors, il y aura plein de choses dans cette conférence. On va transformer les mots parce que les gens ils sont trop perdus avec ces conférences. Voilà, et on va finir donc avec un atelier le même mois. Et on a choisi bizarrement, par hasard, le mois de février avec cette Saint-Valentin du 14. Voilà. Hein, donc, on n'avait pas fait gaffe à ça du tout. J'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Comment dirais-je 2-33, ok. Si les 2-33 sont réveillés et ont conscience que c'est d'être avec un autre 33, ça va. Mais couple de 33, ouf. C'est tendu un peu. C'est très tendu. Maintenant. Ah oui, parce que là, il y a conflit énergétique.
ça vibre vraiment. Il faut vraiment qu'il y en ait un des deux qui soit un maître incontesté de la gestion de l'ego. Parce que là, bien évidemment, 2-33 donc, vont avoir une mission commune, donc dans cette fameuse guidance, dans cette énergie christique. Donc forcément, ils se comprennent. OK. Mais il faut vraiment que la lumière soit allumée à tous les étages des deux côtés. Ça, je tiens à le dire parce que c'est vrai que, par exemple, la meilleure conjoncture entre deux vibrations maîtres, ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure, mais 33 et 11, c'est parfait. C'est un peu les deux opposés angéliques, si tu veux. Il y en a un qui amène l'ancrage, l'autre qui amène le dessus. Et si tu fais le calcul, 11 plus 33, ça fait 44. 4 plus 4, ça fait 8, c'est la réussite. Tu vois ? Donc, là, on est sur du… On est sur du 66, là, hein, on est… Vraiment qu'il n'y a pas un troisième 6-1 sur le côté, parce que, tu vois, ça t'indique vraiment. Mais après, 6 plus 6, ça nous donne 12, ça nous donne les 12 archanges, et la boucle est bouclée. OK ? Hein, d'ailleurs. Tu vois ? Donc, on retrouve le 12 à la fin. Et donc, si ça donne 3 à la fin, donc, et qu'il y ait une bonne communication donc, entre vous, il y a moyen. C'est ça. Tu vois, Nora, tu comprends comment ça fonctionne. Il va falloir transcender la communication, bien communiquer ensemble. C'est très compliqué. Un 22, les 22, ils s'aiment bien. Ah, les 22 ensemble, c'est parfait. Un 22 et un 11, ça va aussi. C'est la famille, c'est l'harmonisation. Tu vois ? Mais 2, 33, mes hommages. Chapeau. Chapeau. Ah, je sais, mon premier mariage, c'était une 33. Hein. Cherche pas. Oui, on voit que tu parles avec du vécu. Là. Tu vois des trucs, des images. Je pense qu'elle n'a pas aimé l'expérience. Je parle plus pour elle que pour moi, mais je pense qu'elle n'a pas aimé ça. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie. Bonne continuation. Je vous souhaite donc une belle histoire ensemble et surtout communication. Et non, laissez-vous de l'espace, de la place. La compatibilité, justement, entre 2-33. Si elle n'a pas de racine, on va dire, ancestrale, ou si elle n'a pas de racine, comment dire, directe, et que les deux soient éveillés, que les deux soient, comment dire, qu'on avait sorti comme expression, cul comme chemise, je ne sais plus quoi, enfin, je ne me rappelle plus, on avait rigolé là-dessus. Si vraiment il n'y a pas cette complicité optimale, il ne faut pas que ce soit des 33 rapportés, il faut que ce soit des 33 du même groupe et tout ça. Hein. Ça, c'est important. Alors, changement de sujet, il y a Adi Galia qui vous dit 21h27, donc il y a 22h11, tiens, 22h11, pardon, je le lis comme ça maintenant, 22h11, c'est rigolo, je vais vérifier l'heure avec son… Oui, 22h11, et voilà, synchronicité. Voilà, ah, comme ça c'est le mien, celui-là, j'aime bien. 22 plus 11, ça fait 30. Voilà. Et ben voilà, un petit bisou à Marie encore. Alors, donc, il nous disait à 21h27, purée, hein, à la place de dame. J'ai un collègue qui garde sa voiture immatriculée 666, plus mes initiales juste en face de ma fenêtre, ça craint. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Voilà. Ouais, surtout quand le nombre de la bête, il apparaît comme ça. Et quand vous regardez les 6, vous voyez, parce qu'on parle toujours de la symbolique, le 6, on dirait un petit personnage qui tombe, qui est déchu. Alors que le 9, c'est un personnage qui ascensionne et qui monte. Réfléchir à cette symbolique. Ouais. Donc, bah, Adi Galia, par rapport à ce que tu pensais à 21h27, à ce que tu faisais exactement, ou ta journée, essaye de changer demain. Fais autre chose. Là, on te dit que c'était pas la bonne voie, il y a un truc qui va pas. Mais au moins, tu as un message, tu vois. C'est comme ça que tu sais un petit peu ce qui est bien ou pas. Tout à fait, tout à fait. Alors, on poursuit avec Sana. Sana qui nous dit « Bonsoir à vous et merci infiniment pour votre travail. Merci. La dernière fois, vous nous avez parlé des princes et princesses galactiques. Oui. Qu'en est-il de ceux qui ont deux chiffres, donc les deux mêmes chiffres ? Parce que les princes et princesses galactiques, donc elle dit « Je m'explique, je suis une 33 et alignement 141, donc voici un exemple. Elle a 1, 4 et 1. Ça, c'est dans la somme entre le jour, le mois et l'année. » Et bien donc, au niveau du jour, elle a 1, et dans l'année, ça donne aussi un 1, donc elle a un doublon. Et pour les princes et princesses galactiques, on avait vu que c'était ben, pour ceux qui ont à chaque fois le même chiffre. 1, 1, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 5, voilà. Princesse planétaire, parce qu'il y a une petite différence. Princesse et prince planétaire, voilà. Oui. Et donc, là, pour le coup, elle en a 2. Mm-hmm. 3, vous savez, parce que les princes planétaires, par exemple, celui qu'on connaît le mieux, hein, c'est Lucifer, hein, forcément, et c'est 678.
tu vois, donc lui, c'est harmonie, 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 mais bon, je pense qu'il a activé à l'envers. Bon, pas tout le temps, pas tout le temps, on peut pas tout mettre sur le dos. Hein. Mais bon, bref, deux chiffres, effectivement, ça indique une conjoncture forte. Ça réduit ta conjoncture et ça réduit ton alignement. C'est plus facile quand tu as un double nombre. C'est-à-dire que finalement, tu n'as plus que deux nombres à activer dans ton alignement. Donc toi, en l'occurrence, c'est le 4 et le 1. Donc le 1, en règle générale, ça indique que tu aimes bien être dans ta bulle, bien être toute seule avec toi-même, justement, pour te recharger. Il faudrait voir la conjoncture à Stéphane. C'est peut-être parce qu'il a le 1 dans sa conjoncture que justement, il prend ses moments pour lui, pour se mettre dans sa bulle et se recharger. Oui, j'ai oublié de lui demander cette date de naissance exacte. Voilà. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu es aussi un alpha, un premier. Ça nous indique que ce que tu vas créer est unique. Ça nous indique que tu es peut-être au départ aussi de quelque chose. Donc, vu que tu as ce double 1, il a cette ambivalence-là d'être seul, mais d'être aussi le départ de quelque chose. Le nombre du créateur, c'est 1. C'est pour ça que tout le monde dit « Ah, on veut retourner vers l'unité, on veut retourner vers le 1, on veut retourner… » C'est ça. Créateur, il est 1, il n'est pas 33. Hein. Il est 1. Il est 1. Et si justement, il se fragmente pour justement vivre les autres cycles. Mais ton alignement… 1, 4, 1, il nous indique que tu as le travail en soleil, donc tu as le travail au niveau de l'âme, donc tu es une âme travailleuse, qui vient se mélanger à ton 33. Donc, toi, ce qui compte, c'est déjà vraiment ton 33. Je suis là pour aider, guider, enseigner. Mais ce que tu vas créer, par exemple, si tu crées une méthode comme moi j'ai fait, une méthode de coaching ou une méthode de soins ou une thérapie, eh bien, ça sera quelque chose d'unique. Ça ne sera pas quelque chose qui se fait déjà. Tu vas créer quelque chose et ça va devenir ton travail. Voilà comment tu pourrais l'interpréter de ce côté-là. Tu seras le début de quelque chose. Tu vas innover dans quelque chose. Donc ça, c'est important. Et surtout, ton alignement t'oblige aussi à prendre des moments pour toi. Parce qu'en tant qu'au 33, tu dois te faire vider comme toutes les vibrations maîtres. C'est ça, on se vide. Voilà. Eh bien, écoute, tu vois, le hasard fait bien les choses. Il y a Isabelle qui vient nous dire, donc sans savoir ce côté donc prince et princesse planétaire, elle nous dit « Je suis un 9 tout en 3 ». Donc, elle a 3. Et je rebooste un 11 depuis 30 ans. Voilà pourquoi ma question. Donc, c'était dans le côté « Est-ce qu'un 9 peut rebooster un 11 ?» Là, elle est 3, 3, 3. Les gens qui ont un triple nombre, d'accord, bon, on a déjà un prince planétaire sur cette planète. Donc, vous allez me dire « Mais alors, pourquoi on a autant de princes planétaires incarnés en même temps ?» C'est parce que, encore une fois, quand je vous dis « Vous êtes 11, 22, 33, vous êtes un ange, un archange ou un Christ », c'est que vous êtes dans un programme pour le devenir. C'est-à-dire que vous êtes dans une… On vous a donné les outils des anges, des archanges et des Christs. Mais vous êtes dans un programme, comme à la fac, c'est-à-dire qu'au début, ben, tu vas en DUG, après tu vas en licence, après tu vas en maîtrise. Mais voilà, on y est, maîtrise, maître, tu vois. Tu vas en maîtrise, et donc quand tu sors de ça, tu as un master. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu es en train de passer tes cours de prince planétaire. Et puis peut-être que si tu le réussis, ben, on va t'envoyer sur une planète pour que tu sois la princesse planétaire de cette planète. Tu vois? Donc, tu es dans un processus aussi. Tu es dans un programme d'évolution, comme à l'école. Sauf que là, ce n'est pas un programme pour te bourrer le crâne, c'est pour aider les autres. Hein. Énergétique. Merci à Béa qui te dit « Mon ami, je t'envoie toute ma lumière, tu me fais vibrer, je nous reconnais, c'est trop bon. Énorme gratitude. » Namasté. Alors, je continue avec la petite molette de la souris et je remonte donc à la question de Magali. Oui. Je vais lire tout de suite. Donc, bonsoir. Peut-on rejoindre le groupe de travail angélique de quelle façon? Alors, Magali, mais tu tapes groupe de travail angélique sur Facebook et il y a une bannière École de Lumière, School of Light, et on a la chance d'avoir Alphara avec nous justement qui nous dispense. Alors, c'est vrai qu'Alphara, il a un côté, c'est un vieux de la vieille, hein. Excuse-moi, Alphara, il ne comprend pas le français, c'est pas grave. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de réponses dans les écrits saints. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment un discours biblique, judéo-chrétien, parce que justement, il a cette faculté à décoder complètement les informations qui sont dans la Bible. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé avec lui de ce côté-là. Après, j'ai dévié sur d'autres écrits et sur d'autres choses au niveau spirituel, hein. J'ai lu les rouleaux de la mer morte, les livres d'Enoch qui est encore rapport avec le système. J'ai aussi reconnecté avec des informations d'une autre manière. Mais c'est vrai que quand tu ouvres une Bible et que tu décodes, que tu comprends ce qu'il y a marqué dedans, mais c'est une mine d'informations, mais scientifique, quoi. Enfin, moi qui connaissais rien en génétique, j'ai appris la génétique avec la Bible. Enfin, qui connaissait rien, qui n'avait pas reconnecté avec ça, disons. J'ai pas étudié ça dans cette vie-là, t'as vu ma tête, tu vois, non.
pas possible. Donc, effectivement, j'ai reconnecté avec ce savoir en astrophysique aussi, grâce à la Bible. Pourtant, j'avais un père qui travaillait à l'aérospatiale, tu vois, mais rien du tout. Le foot, la musique, laisse tomber. Donc, effectivement, il y a des choses, justement, dans ces écrits-là qui n'ont rien de religieux. Mais encore, faut-il les lire à un certain niveau. Il faut arriver à lire le niveau systémique. Si tu lis uniquement le niveau religieux, le niveau conditionné par la religion, bah effectivement, tu vas t'arrêter aux noms qui sont inscrits, tu vas t'arrêter à des petites choses comme ça. Mais quand tu comprends, quand tu sais la décoder, quand on avait fait justement les missions sur les mécanismes, sur les mots, les paraboles. Ça, les paraboles, qu'on comprend ce que veut dire l'eau d'en haut, l'eau d'en bas dans la Bible, tu comprends comment fonctionnent les banques du coup. Mais ça n'a pas de rapport. Mais si, ça a tout rapport. Et on l'a démontré avec Nora. Donc forcément, quand tu sais lire ça, c'est intemporel en fait. Ça n'a pas d'époque. Si tu te rends compte que c'est l'histoire spirituelle de ce monde. Point. Et tu peux le décaler dans chaque époque. C'est pour ça que tu retrouves des écrits, par exemple, chez les Sumériens, qui sont antécédents normalement à l'écriture de la Bible, qui relatent les mêmes histoires. Et tu peux remonter dans les histoires atlantes et même les autres civilisations dont on parle dans « Il était une fois le monde », dont on va parler aussi bientôt, qui te relatent les mêmes histoires. Donc forcément, ça veut dire que c'est l'histoire spirituelle de ce monde, mais on va dire que la dernière en date est beaucoup plus marquante puisqu'elle a génétiquement modifié quelque chose qui nous permet au jour d'aujourd'hui de tous accéder à l'ascension. Voilà. Et de devenir des maîtres. Pas beau, ça ? Oui. Merci beaucoup, Magali. Alors, petite question. Ah bah tiens, Cédric, te revoilà à nouveau. Bah, t'as de la chance ce soir. Donc, Cédric Malo qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyriliel. Comment les maîtres nombres, les walk-in, les métanova peuvent-ils interagir entre eux pour créer une belle alchimie ? » Cédric. Ben déjà, bon, je pense que ça commence à bien germer. Si chacun reste à sa place et chacun fait sa mission, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a chacun notre truc à faire. Tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai un métanova en consultation, je le traite comme un maître. Tu vois, je ne fais pas une consultation spéciale métanova. Pour moi, il vibre comme un maître, il est mon égal. Donc, je ne vais pas le coacher comme une vibration classique ou non. C'est un maître, il a les mêmes attributs, donc je le coach de la même façon. Et ça fonctionne, puisque effectivement, il fonctionne comme des maîtres. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le même travail, on a la même mission. C'est alors là, encore une fois, les mots nous séparent. Walk-in, Metanova, maître, mais les trois sont des maîtres, point. Ils ne se sont pas tous incarnés de la même façon, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas forcément la même expérience, mais le résultat est le même. La fréquence dans laquelle ils vibrent est la fréquence de ce que les gens appellent la fréquence angélique, la fréquence de lumière, la fréquence des messagers. Tu peux l'appeler comme tu veux. C'est des travailleurs de lumière. Point. Light walker en anglais, on dit. Après, tu peux appeler ça des anges, tu peux appeler ça mon cul sur la commode, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est ça. On a le même travail. Non, mais arrêtez. Non, parce que je visualise. Ah, tu visualises mon cul sur la commode. J'ai pas de commode dans ma chambre. Enfin, dans mon bureau. Elle est dans ma tête, c'est bon. Ah, mais c'est facile, tu sautes comme ça, boum, le cul sur la commode. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, comme ça, au moins, tu as mis l'ego à sa place. Hop, et voilà. Alors, continuons avec Anthony, qui nous dit « Vous croyez qu'on peut rester là tout le temps ?» Et oui, comme ça, on passe un bon moment tout le temps, Anthony. Ah. Alors déjà, tu avais dit le fait de s'incarner sur Terre, c'est un truc de warrior, hein, qu'on soit 1, 2, 3, 4, voilà, peu importe, si vous êtes là, chapeau bas. Donc, est-ce qu'on peut rester là tout le temps ? Non, le but du jeu, c'est de partir d'ici. Le but du jeu, c'est d'augmenter le niveau vibratoire de la planète pour qu'elle... Pardon, 22h22, excuse-moi, ça vient de... Mon téléphone s'est allumé d'un coup, je vois 22h22 parce que j'avais reçu un message. Excuse-moi, ça me poursuit. Non, ils sont là ce soir, ils sont là, on est sains. Hein, d'ailleurs, apparemment, Jérôme va me dire, tu sais, tes frissons, je vais t'expliquer ce que c'est. Mathanaël, tu veux me parler de frissons ? Attention, Mathanaël. Attention, c'est chaud, hein. Attention, il y a le week-end qui arrive. Hein. Week-end en tranche, attention. Bon, mais maintenant, il faut que je prenne à FIFA, par contre, hein, bientôt. Je vais m'entraîner un peu. Bon, bref. Non, c'est vraiment... Comment te dire ? Non, tu ne peux pas rester là tout le temps. Le but du jeu, c'est d'augmenter le niveau vibratoire de la planète en nettoyant, en fait. En nettoyant nos distorsions, on nettoie aussi la planète, au passage. Parce que quand on s'incarne, on prend un bout. On est rattaché à la planète chimiquement.
D'accord? Donc, on prend un bout de cette chimie qui est corrompue et on la spiritualise. Donc, on la rend plus propre. On la rend. Donc, le but du jeu, c'est qu'à travers nous, de nettoyer la planète, d'augmenter le niveau vibratoire de la matière. D'accord? Donc, oui, tu peux venir tant et aussi longtemps que cette planète vibre dans cette fréquence, mais bientôt, elle va repasser dans sa fréquence d'origine, qui n'est pas la 3D. Ça, par contre, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Si on peut dépasser ce soir, ça te dérange pas qu'on prenne un petit quart d'heure de plus que les 2 heures et demie prévues? Parce que toutes les questions sont vraiment importantes ce soir. Ça va loin aussi dans les questions. Je prends vraiment au hasard parce que il y a tellement de trucs. Je prendrai tout sinon. Tiens, allez hop. Harmonie d'ailleurs, qui nous dit. Alors, qui nous dit quoi? Donc, rebonsoir. Faut-il forcément être une vibration maître ou un walk-in pour engendrer un enfant métanova? Merci pour tout. Alors là, le hasard, hein, donc on revient là-dessus. Tout est mélangé finalement, un walk-in maître métanova. Donc. Disons que génétiquement parlant, si tu comprends tout ce que j'ai expliqué au niveau génétique, au niveau de comment un enfant métanova va rarement s'incarner, à moins que ça soit profitable à l'évolution de son âme dans une famille classique. Il n'a aucune chance de se réveiller hein, s'il fait ça, ou très peu. Ou à moins qu'il utilise une famille complètement dysfonctionnelle justement pour se réveiller, parce que c'est ce qu'il veut vivre. Mais génétiquement parlant, alors je vais te le dire à l'envers, une vibration maître ou une vibration walk-in, surtout quand c'est la maman, va, dans 90% des cas, engendrer un métanova. Ça n'empêche pas une vibration classique de le faire. Mais la matrice de création ne pourrait pas supporter l'énergie, en fait. Tu vois? Alors oui, il pourrait utiliser une maman qui n'est pas métanova ou qui n'est pas walk-in ou, enfin, ou qui n'est pas maître, mais je ne donne pas cher de l'accouchement. Ça va se passer dans des conditions un peu bizarres, voire fatales. Donc, pour pouvoir tenir l'énergie, quand Gabriel va voir Myriam et il lui dit, OK, tu vas porter le divin enfant, c'est pas pour rien. Elle a été préparée à ça. Tu vois? Donc effectivement, à ce moment-là, il faut. Oui, c'est. Techniquement, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher. Énergétiquement. Pff. Voilà. Beaucoup de mamans classiques donnent des enfants qui deviennent plus tard des walk-ins, ça, oui. Mais des métanovas, la matrice de création doit vibrer à une certaine fréquence quand même. Voilà. Donc, je ne vois pas. Tu sais, les petites âmes, au départ, là, quand elles s'incarnent sur Terre, elles choisissent leurs parents. Nous, Angelina nous a parlé avant de s'incarner. C'est-à-dire qu'on était dans une réunion médiumnique, c'est-à-dire, et personne ne savait que Yona était enceinte. Et à un moment donné, la médium dit, mais c'est extrêmement rare, d'habitude, je parle à des défunts, mais là, je parle à quelqu'un qui vient s'incarner et qui vient de très loin. Donc on s'est regardé avec Yona et nous a parlé. Et elle nous a expliqué pourquoi elle nous a choisis. Parce qu'elle savait qu'on était éveillés, qu'elle était née dans un feu d'artifice céleste et compagnie, qu'elle avait besoin de venir là. Tu vois? Donc, par expérience, je vais te dire que oui, l'âme choisit où elle s'incarne et elle choisit ses parents en fonction de l'énergie. Oui, donc la phrase on choisit pas ses parents, finalement, c'est pas ça du tout, on les choisit complètement. Tes parents sont pas non plus forcément, en fait, ton rapport biologique avec tes parents n'indique pas forcément, la plupart du temps oui, une mission commune. Des fois, tu es plus proche des gens qui sont considérés comme des étrangers que de ta propre famille. Ben, c'est parce que tu as plus de... Oui, tu choisis une énergie. On va pas dire que tu les choisis, donc tes pieds poings liés à vie avec tes parents. C'est à ce moment-là, quand tu veux t'incarner, tu choisis une certaine énergie, une Voilà, ils ont certaine l'énergie, ils ont la génétique pour que tu naisses. qui te va bien. Après, tu as les expériences à vivre dedans et ainsi de Mais si suite, tu n'as plus mais. de karma à vivre avec eux, tu n'as rien à faire avec eux. Pff. Tu vois, c'est juste, tu as utilisé le corps, tu as utilisé l'alchimie, tu as utilisé la biologie, tu as utilisé l'ADN de ces gens-là pour venir t'incarner parce qu'il était compatible avec ta lignée. Mais s'il n'y a aucun karma à nettoyer, s'il n'y a aucune mission commune entre vous, il y a une séparation, ça arrive. Ça, très forcément, très souvent d'ailleurs, des fois, elles sont bénéfiques, ces séparations. Il y a des gens pour qui les parents sont toxiques, il faut le dire. Donc, encore une fois, voilà, s'il y a une logique là-dedans.
Il y a une logique, toujours, toujours. Il y a des parents qui peuvent être 33 qui se font réveiller par leur gamin qui va être un autre 33. Paternel tout le temps, le créateur, il ne joue pas au dé. Hein. Tout le chaos qui peut aller complètement aléatoire pour les scientifiques, il n'y a rien d'aléatoire. Hein. Tout est à la place où il doit être. Hein. Donc, bon, voilà. Il y a une logique là-dedans. Merci beaucoup. Merci Harmonie d'ailleurs pour ta question. Je poursuis avec, je ne sais pas encore, donc allez hop au hasard. Safia qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyriliel et à tous, ravi de vous retrouver. Les montagnes russes, le dénigrement, ne pas mériter, je reconnais là le comportement de mon ego, mais je ne suis pas Walk-in, mais 22. Et en plus, né le 11-11. C'est parce que je suis bien endormie. Safia. » Non, en fait, Safia, ce qui se passe, en fait, le dénigrement, ne pas mériter, c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand on m'a dit ce que j'étais. Première chose qu'on m'a dit, il m'a dit, voilà, t'es ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'ai regardé, j'ai dit, moi, là, t'es sérieux, là, moi. Et t'as perdu la carte. Alphara, je lui ai dit comme ça. Hein. J'ai dit, you lost your mind. You lost your mind. Il m'a dit, thank you. Pour lui, c'était un compliment. Parce que oui, dire à quelqu'un qu'il a perdu l'ego, forcément, ça veut dire que spirituellement, il... Voilà. Donc, il dit, ah, merci, c'est un compliment. Non, je lui ai dit, moi, mais ça ne va pas. Parce que j'avais le sentiment, au fond de moi, que je ne méritais pas d'être ça. Et absolument tout ce qu'il m'a dit que je ferais, que je serais, je suis en train de le faire avec vous maintenant. Et même un jour, bon, il est tombé gravement malade, gratitude qu'il soit guéri, il m'a dit, clairement, je te passe le flambeau. C'est à toi maintenant. This is your time. This is your moment. C'est ton moment. C'est à toi d'y aller. Et je te dis, hein, quelques mois après, mais voilà, Métanora à Paris. Mais c'est vrai qu'on a ces montagnes russes. Parce que comme je te l'ai dit, tant que tu es dans l'inconscience, que tu n'as pas conscience de ce que tu es, tu ne peux pas stabiliser ton énergie. Donc vu qu'elle n'est pas stable, mais tu rentres dans ton alignement, tu en sors, mais tu ne le sais pas. Donc forcément, voilà. Le dénigrement, bien évidemment. Quand on est maître, on le sait. Depuis qu'on est petit, on sait qu'on est différent. Donc, qu'est-ce que ça crée chez nous? Ça crée le besoin de se faire accepter par les autres, de ne pas être différent, justement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On module notre énergie, on baisse notre vibration pour être au niveau des autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? On en prend plein la gueule. Parce que les gens, malgré tout ce que tu peux faire, tu es différent. Mais ils voient ton énergie. Donc, vu qu'avec tes parents, tu es d'une certaine façon, avec tes copines, tu es d'une certaine façon, avec ton copain, tu es d'une certaine façon, tu modules constamment ton énergie au point où tu oublies ce que tu es. Complètement. Donc, c'est cette modulation d'énergie qui fait que tu n'es pas toi à 100%. Et n'étant pas toi à 100%, mais tu vas tomber sur des gens qui t'aiment à 30 ou 40%. Tu vas tomber sur un entourage qui te correspond à 30 ou 40%. Tu vas faire un travail parce que tu vibreras à 30 ou 40% de ce que tu es. L'avantage, quand tu vibres à ta fréquence, c'est que ça fait un ménage autour de toi. C'est-à-dire, c'est ce qu'expliquait Alphara. Le créateur, il te met bien. Il t'enlève tout ce qui est toxique et il te met tout ce dont tu as besoin. C'est ce que les Hébreux appelaient la divine providence. C'est-à-dire que quand tu t'alignes avec le plan du créateur, qui est de spiritualiser la matière, tout se met en place. Donc, effectivement, toi, à ton niveau, tant que tu n'es pas dans l'alignement, mais tu vas vivre les montagnes russes, tu vas vivre le dénigrement, tu vas penser ne pas mériter ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ton plus haut niveau de conscience. Et quand tu es à ton plus haut niveau de conscience, tu vas gagner en confiance. Tu vois, il y a juste une lettre qui change. Tu vois, tu passes du S au F. De la conscience, tu passes à la confiance. Et là, plus jamais tu te dénigres. Moi, je suis ce que je suis, je ne me cache pas. Et depuis l'émission numéro 1 avec Nora, ce n'est pas parce que techniquement, voilà, je suis une vibration maître, que je suis un 33, que je ne suis pas soumis aux distorsions, que je ne nourris pas l'ego comme il doit être nourri, que je ne console pas l'enfant intérieur. Regarde, je m'achète des boules de cristal Dragon Ball Z. Tu vois ? Là, j'ai des sabres laser derrière moi. Je le nourris, l'enfant intérieur. T'inquiète, tu vois ? Je suis sur Terre, ça veut donc dire que je suis soumis aux mêmes choses que vous. Et c'est pour ça que je le dirai toujours. Et ça, je veux bien que tout le monde l'entende. Quand une vibration supérieure ou une vibration d'en haut a quelque chose à vous dire,
elle a l'humilité et la décence de venir vous le dire droit dans les yeux. Ok ? Bouddha, Mahomet, Yeshua, n'importe qui, Pierre-Paul Jacques, mon cul sur la commode, ils sont tous venus physiquement vous parler. Vous, les vibrations maîtres, vous êtes physiquement venus aider l'humanité. Vous n'êtes pas là, téléphone, canalisation. Bon, alors tu diras qu'on pense à vous. Vous êtes dans la galère, mais on vous aime. Hein? Ok? Hein? Ouais, vous avez faim, c'est pas grave. Pense à la lumière. Tu vois, ça va te nourrir. Ouais. Et puis quoi? Quoi? Ah ouais, non, mais t'inquiète. On vous aime inconditionnellement. On vous envoie les bisounours. Oui, t'inquiète. Blandine Arc-en-Ciel aussi, on t'envoie. Arc-en-Ciel. Tu vois, si tu vois l'arc-en-ciel, c'est nous. On t'aime inconditionnellement. Ouais, je sais, t'as faim, tu souffres, mais c'est pas grave. Non. On descend, on vous dit qu'il en est. D'accord ? Hein ? Parce que oui, c'est... alors, soi-disant, on a 25 000 vaisseaux autour de nous qui nous regardent, qui nous surveillent bienveillamment. Ok, les gens, on est là. On est en bas. On est descendu. L'énergie christique est là. Les maîtres sont là. Réveillez-vous. On va s'en sortir. C'est tout. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Et quand vous serez sauvé vous-même, vous serez en capacité de montrer aux autres comment se sauver. Moi, je suis venu sauver personne, hein. Je suis venu apprendre aux gens à se sauver eux-mêmes. Donc, effectivement, tu n'es pas endormi, Zafia. C'est juste que tu ne prends pas encore responsabilité ou complètement conscience de ce que tu es. C'est tout. Mais tu es là. Donc, agis. C'est juste ça. Voilà. Merci. Et tous ces gens-là que j'ai nommés tout à l'heure, ils ne sont pas venus créer des suiveurs ou des religions, hein. Ces gens-là sont venus vous dire, je suis le chemin, comme Yeshua a dit, je suis le chemin. Ça veut pas dire, ça voulait dire, faites comme moi. Regardez, je suis l'exemple. Il n'est pas venu créer des suiveurs, mais des leaders. Il est venu créer des maîtres comme lui. Il est venu pour dire aux gens, vous êtes des maîtres comme moi. Soyez comme moi. Il n'a pas dit, allez dire aux autres comment être. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Mange ceci, mange cela, fais ci, fais ça, médite, fais caca, saute sur la commode. Non, c'est pas ça qu'il nous a appris. Les religieux, c'est pareil, les religions, c'est pareil. Les religieux, c'est les premiers à te dire comment tu dois être. Non. Il n'est pas venu vous demander de dire aux autres comment être, il est venu vous dire, soyez. Je suis, vous êtes, soyons ensemble. Voilà ce qu'il est venu dire. Voilà tous ceux qui sont venus dire. Mais ça a mal été compris. Encore une fois, vous êtes tous des maîtres. Ou des maîtres en devenir. Quand Merci. Je dis ça, ma bougie s'est éteinte. Merveilleux. Voilà. Allez, une ou deux questions. Moi, la mienne de bougie, elle est toujours allumée. Et dans ma tête, elle est à fond. Alors, Christine qui nous dit, alors j'ai pas le début du message, Christine, et il doit être perdu au milieu de tout le reste, j'ai la fin. Donc elle dit, suite du précédent message, je disais donc, je n'arrive pas à ouvrir les consciences autour de moi, et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Résultat, cris et injures, genre t'es cinglé, merci encore Cyrielle, Christine. Est-ce qu'on doit forcer les autres, est-ce que, comment on fait? C'est pour ça en fait, les cris, les injures qu'elle reçoit, c'est celles qui sont à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que ouvrir les consciences autour de toi, regarde-moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je ne suis pas là dans un échange. Hein. Je suis là dans un partage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vous partage, je vous donne ce que j'ai. J'attends rien en retour. J'attends pas de validation. J'attends rien. Je donne. Et puis, c'est eux qui me remplissent. Vous n'avez pas besoin de me remplir. Ils me remplissent. D'accord ? Donc, je ne suis pas là pour ouvrir les consciences. Je partage quelque chose. J'essaye, à mon humble niveau, d'être un exemple, d'inspirer les gens, de leur allumer quelque chose dans la tête qui va faire qu'eux-mêmes, ils vont comprendre et ouvrir leur conscience. C'est pour ça que dans les émissions, les gens commencent à être frustrés parce qu'avec Sangara, on donne de moins en moins d'informations parce qu'on va les obliger de plus en plus à aller chercher le reste des informations. Ils attendent des grandes révélations. Et attends qu'on arrive, alors écoutez, on vient de Sirius et... bientôt, on va faire caca des arcs-en-ciel. Voilà ce qu'ils attendent des gens. Non. Au bout d'un moment, on a donné assez d'informations au jour d'aujourd'hui pour que les gens aillent faire leurs recherches eux-mêmes et pas forcément dans les bouquins, pas forcément dans ce qui a déjà été fait,
mais justement dans la capacité qu'ils ont à l'intérieur d'eux d'avoir leurs informations et de connecter ce qui est connectable ensemble. Le but de l'émission qu'on a avec Sangara, c'est de vous apprendre ce mindset, c'est-à-dire de comprendre que la façon dont vous pensez au jour d'aujourd'hui, c'est votre plus grand ennemi. Et que nous, au jour d'aujourd'hui, si on a accès à des informations, si on a toutes ces choses-là, c'est parce qu'à un moment donné, on a arrêté de mâcher le travail pour les autres. On a arrêté de trop, tu vois, en dire. Il y a des choses, tu vois, qui ne viennent que dans le cours de l'énergie. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas trop en dire, parce que ça bloque. Je le vois, ça bloque. Donc, on fait des petites émissions sur Hollywood, on fait des trucs comme ça qui relaxent le truc, mais qui restent quand même dans le thème. Sinon, on fait, voilà, saison 3, on fait 4 épisodes, c'est bouclé. On envoie toutes les révélations, et puis les gens, ils ont, ah ouais, oui, non, bon, bon encore. Non. L'hermétisme, on monte son entrée, on cache son cachet, on parle sans parler. C'est ce qui va. Il n'y a rien de plus gratifiant pour vous que de trouver intérieurement et non pas à l'extérieur les réponses. Tu vois là, Christine, tous ces cris là, ces injures, elles sont en toi. C'est pour ça que tu les projettes. Quand tu essayes d'ouvrir une conscience, tu rentres dans la bulle de quelqu'un. Tu agresses sa bulle. Il y a des gens, Christine, qui sont prêts à payer pour ne pas voir la vérité. C'est pour ça que chacun a sa vérité. Mais il y a des gens qui vont voter, qui sont allés voter dimanche, pour qu'on les rassure dans leur illusion. Moi, je l'ai compris, ça. J'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir. Ils font tout pour ne pas voir la vérité. Et quand tu vas les perturber dans leur bulle, dans leur pseudo-confort, là, parce que l'ego, lui, il contrôle la personne. Il se nourrit, il a sa nourriture, il manipule la personne. Donc, bien évidemment, si tu vas contrarier ce mécanisme, eh bien, c'est l'ego qui va te répondre. « Oh, laisse-moi tranquille, là, je me nourris, là. » Tu vois, quand je fais des émissions sur l'ego, tu peux même pas t'imaginer, quand je fais des émissions sur l'ego, le nombre d'attaques inconscientes que je reçois. Les gens ne se rendent même pas compte parce que l'ego collectif sait que je vais parler des mécanismes, que je vais le mettre à jour, que je vais prendre ce qui est dans l'occulte et le mettre en lumière. Là, j'en vois plein maintenant, de plus en plus maintenant sur Internet, puisque moi, je suis partagé, j'ai cette chance-là ou cette malchance, qui se battent comme le diable dans l'eau bénite. Mais ils n'apportent pas d'informations, ils ne font qu'insulter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que par leur réaction, ils sont en train de mettre en lumière ce qu'on explique, qu'on a expliqué dans l'émission avec Nora et ce que j'explique dès le départ sur l'ego. La dissonance cognitive, mais fait péter les plombs à l'ego. Et ça, c'est mon travail, de bousculer le système de croyance. Donc, quand je vois ces gens réagir, en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils réagissent, ils ne font que confirmer ce que j'enseigne. Donc, moi, ils me rassurent. En fait. Je me dis, OK, tant qu'ils réagiront comme ça, c'est que je suis dans le vrai. Le jour où je ne vois plus personne réagir, je dirais, ah, peut-être que… Voilà. Mais c'est important, tu ne peux pas ouvrir les consciences tant et aussi longtemps que tu ne raisonnes pas avec ce qui est en arrière. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle, je fais le con, je rigole, je nourris l'ego, il est occupé à rigoler des blagues à coco, là. Mais en même temps, j'envoie l'énergie et je raisonne avec vous en termes de raisonnement. Donc, c'est vrai que peut-être c'est pas aussi précis qu'un livre d'Anton Parks, mais l'information que je vous donne, elle vient de là. Elle vient pas du livre. Merci beaucoup. Que vous comprenez à un certain niveau. Ça résonne en vous. Il faut ouvrir ces caisses de résonance plutôt que le mental et l'information en tant que telle. Parce que, on l'a dit avec Sangara dans la dernière émission, on n'est pas là pour valider une histoire et des trames qui vous ont été données qu'on sait qui, dès le départ, ont été falsifiées et erronées. Ça nous servira à quoi de valider ces choses-là? En effet. Merci Christine. Anna qui nous dit 3h33 du matin en Chine. Ouh, synchronicité. On est regardé aussi de Chine. Un gros bisou de là-bas. C'est vrai que... Ni hao. On a donc le Canada, les États-Unis, bien sûr, tous les pays orientaux, beaucoup du Maroc, d'Algérie. Donc on fait un gros bisou. Il y a des gens des terres australes qui nous regardent, hein, qui t'envoient des coucous. Papété, Tahiti.
Canada, La Réunion, l'Allemagne, bien sûr, enfin l'Europe en général. Argentine, le Mexique. Ah oui. Ah moi Là, on a plein de métronomes de partout, en tout cas les francophones. je. Voilà, c'est vrai. Et il y a même une dame qui est en train de traduire en espagnol les conférences et les émissions. Et elle est au Mexique. Oui, il y a d'ailleurs d'ailleurs grâce aux bénévoles sur LGC, donc et grâce à Stéphane aussi qui a mis tout ça en place. Merci pour ton boulot, numéro 22. Je vais l'appeler numéro 22 maintenant. Et 22. on a des traductions qui commencent donc d'abord en français, ensuite en anglais. Il y aura, on cherche des traducteurs en allemand. Il y aura l'espagnol. Il y aura le chinois. Il y aura plein plein de langues comme ça. Donc c'est génial. Alors l'information va être diffusée. Anna, il faut traduire. Hein? Bon. Anna, alors on t'attend. Et tiens, Anna a une question. Ensuite, elle avait une autre question. Donc, comment fait-on pour avoir le même éveil que toi sous ta douche après avec ton dessin, Anna? Parce Alors, que lors de la première conférence avec Cyriliel, il nous a expliqué que pour lui, ça lui était tombé un jour comme ça sous sa douche. Donc, on a tous envie d'aller te rejoindre dans ta ville, prendre une douche chez toi. voilà, Comment on fait? c'est facile. Déjà, il faut une douche spéciale. Hein. Il faut qu'elle soit chargée. Donc, déjà, il faut que tu la rattaches à un vortex. D'accord? Donc, il y a des vortex au-dessus de la douche. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, tu prends ton pendule et un peu d'encens. Tu vois? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrête. Par contre, voilà, juste quand même pour vous dire, on est parti donc sur cette histoire que tu nous avais racontée, comme quoi t'étais tombé dessus, et ce qui était assez hallucinant après coup, parce qu'au départ donc on t'écoutait comme ça, c'est de voir que tout ce que tu disais, ces informations qui t'étaient tombées dessus radicalement à un moment, une partie en tout cas, ou une grosse partie, même si ça a été validé aussi par Alphara et par ton histoire, ton parcours, beaucoup de ces informations, si c'est pas la totalité, ont été validées avec d'autres intervenants qu'on a vus, notamment Jean-Michel Raoux, physicien chimiste, ainsi de suite, qui ont à chaque fois validé les infos que toi tu as eu comme ça, sous la douche. Donc c'est intriguant. Encore une fois, hein, encore une fois, je ne demande pas à être validé. Ce n'est pas mon but. Après, C'est si maintenant, vrai, mais on le constate. voilà, Tu il y a des gens, demandes voilà. pas, mais nous on regarde, on cherche, Non, on compare et... parce que Tana qui, justement, qui, voilà, qui vont toujours venir contredire ou dire ah, qu'est-ce qui c'est quoi ce gars-là et tout ça, kabbaliste, illuminatif, enfin, enfin bref. Il faut savoir que moi, ce que j'ai compris, c'est que le savoir qui m'a été donné est antécédent à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, bien évidemment, les kabbalistes ont récupéré cette information puisqu'ils étaient en contact direct avec ces énergies-là. Mais c'est des choses qui sont à la base, même quand vous regardez les vidéos de Nassim Haramaïm, des fois, je regarde de temps en temps, je suis waouh, mais c'est ça que j'explique. Tu vois, même moi, je suis toujours surpris de voir un truc que j'ai reçu et qui est expliqué par quelqu'un qui apparemment maîtrise le sujet. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être validé. Le truc, c'est que moi, j'ai une information, je la donne. Maintenant, s'il y en a d'autres, justement, et tu le dis très bien, Alphara a validé mon dessin que j'ai reçu, tu vois. D'autres valident tout ça, il y a d'autres intervenants. Parce que pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand l'énergie, quand l'information, elle sort du contexte, du conditionnement, eh bien forcément, elle retrouve des points communs avec d'autres gens qui fonctionnent sur le même mode de pensée. Et bizarrement, quand on regarde ce mode de pensée, c'est celui qui est, par exemple, c'est le mode de pensée qu'utilisaient, par exemple, les gens qui ont construit les pyramides. C'est le mode de pensée des gens qui ont ce savoir ancestral. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec des Indiens Mi'kmaq au Canada et qui te racontent des choses avec la tradition orale. Mais waouh, c'est un truc de fou. Et presque à la limite, encore une fois, j'avais des validations de ce que j'avais reçu. Et c'est des gens qui lisent pas de livres, puisque c'est la tradition orale qui date d'il y a très longtemps. Tu vois, les gens ne connectent pas. Par exemple, on s'est rendu compte avec Sangara, par exemple, que les gens qui, par exemple, parlent des dieux grecs, quand ils en parlent, on a l'impression que la présence des dieux grecs ou leur activité ou ce dont on parle vient de la Grèce antique. Non, elles sont relatées dans la Grèce antique. Ça veut dire que les événements en tant que tels ont eu lieu avant ou dans d'autres plans de réalité. Tu vois, le raccourci que le cerveau fait, c'est que oui, forcément, les dieux égyptiens là, qui sont sur les gens pensent que ça s'est passé pendant l'Égypte antique. Non, ça s'est passé avant. Et c'est relaté comme des histoires. Imagine demain. Imagine demain, il y a un gros cataclysme et les seuls bouquins qu'ils retrouvent, c'est Spider-Man, Iron Man et Superman.
Ah, on a retrouvé des anciens rouleaux. Regarde, le gars, il vole et tout. Hey, t'as vu? Il a une armure et tout. Et... Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, l'être humain, à un moment donné, il fait des raccourcis. D'accord? Il est obligé. Mais encore une fois, les gens qui se retrouvent dans mon enseignement, c'est les gens qui raisonnent. Ce n'est pas les gens qui réfléchissent, c'est les gens qui raisonnent. Quand tu commences à connecter à un savoir, à une connaissance, et que ça devient ta vérité, n'importe qui va parler, tu vas rentrer en dissonance cognitive avec ce qu'il dit, même si on te démontre par A plus B. Moi, je m'évertue souvent à trouver des démonstrations dans le cadre de référence des gens. C'est-à-dire que l'information que j'ai eue, elle n'était pas dans aucun cadre de référence. On m'a montré des trucs, j'ai vu des trucs, ok. Maintenant, je vais retrouver des passages dans la Bible qui vont se référer à ça. Je vais trouver des trucs en génétique qui vont se référer à ça. Je vais utiliser les cadres de référence que les humains ont pour pouvoir véhiculer l'énergie de l'information. Mais j'aurais pu l'utiliser dans un autre contexte. Je m'adapte au contexte le plus adapté à donner l'information. Donc, si à un moment donné, je vous parle de Dieu et je vous dis que c'est Yahvé, c'est parce que à cette époque-là, à ce moment-là, les gens qui ont étudié ce truc-là, les gens qui ont donné l'information, ils ont donné l'information de façon tellement précise que j'utilise le même vecteur. Mais je sors du conditionnement religieux. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vous expliquais l'angélisme, tous ces trucs-là, je n'ai jamais parlé de l'arbre de vie. L'arbre de vie, là, vous savez, le truc, la kabbaliste, là. Mais c'est une vaste fumisterie, ce truc-là. Quand tu comprends ce que c'est ce dessin... que tu enlèves le contexte judéo-chrétien, que tu enlèves le contexte religieux, que tu comprends à quelle géométrie divine il est rattaché, mais ça n'a plus du tout la même signification. C'est un plan, c'est une carte du ciel, le truc. C'est Stargate, le machin. Tu vois ? Mais encore une fois, faut-il avoir la capacité de raisonner et de connecter ? Sinon, ce n'est pas possible. Les maîtres ont cette capacité en eux, de changer leur façon de penser. Merci beaucoup. Une petite question de Hélène Enda qui nous dit encore une question. Attends, justement. On n'a pas répondu à la douche. Je ne sais pas quelle douche il faut, quelle marque, je ne peux pas te dire. Donc, Hélène Enda qui nous dit encore une question. Les maîtres nombres ont-ils une responsabilité envers autrui? Mille merci, c'est toujours passionnant de vous écouter. Mais ils n'ont que ça. Ils sont là pour les autres. Ils ne sont pas là pour eux. Chaque maître doit se mettre ça dans la tête. Vous n'êtes pas là pour vous. Vous avez déjà fait ce travail-là. Pendant 9 cycles, vous avez pensé à vous, nettoyé votre karma, vous avez fait votre truc. Dans le dernier cycle, justement, vous avez appris à être au service des autres, le cycle de l'accomplissement et de l'altruisme, pour pouvoir justement être capable d'être des maîtres au service des autres ensuite. C'est beau, ça. Un maître, normalement, il a déjà à son service. Non, non. Le vrai maître, il sert les autres. Comme l'a dit tout à l'heure quand j'ai lu le truc d'Alphara, au début, on est des employés. Et ensuite, on devient des partenaires du Créateur. C'est ça la différence. En hébreu, dans la Bible, excusez-moi encore le terme biblique, il y a marqué doulos. Ils disent même pas employé, ils disent esclave. D'accord ? Au départ, tu es un esclave. Tu fais ce que tu as à faire. Et ensuite, tu deviens partenaire, un fils direct ou une fille directe de la création. Je dirais même pas du Créateur, je dirais dans la création de la source dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci Hélène Enda. L'Illumineuse, encore une petite question technique, qui nous dit « Bonsoir à vous deux, j'aimerais savoir quand un 11 a fini son incarnation, est-ce que sa prochaine incarnation, s'il revient, sera un 22 ?» Non, tout à l'heure, ça c'est un choix en fait. C'est-à-dire quand tu as choisi d'être une 11, ben, tu restes une 11 dans tout ton programme tant qu'il n'est pas fini. Voilà. Après, il y a une version, certainement qu'en parallèle, pendant que tu es sur Terre, tes graines, parce que tu as des graines à toi sur Terre, lumineuse. Donc, tes graines vont augmenter, vont aussi devenir des anges et des archanges, et peut-être qu'en parallèle, pendant que tu es sur Terre, ton arbre énergétique ou ton arbre génétique continue d'évoluer, et qu'effectivement, une version 22 et 33 de toi est en train de... Mais elle se fait dans la partie lumière, pas dans la partie terrestre. Tu vois ? Et c'est quand tu vas remonter, tout à l'heure, je l'ai dit, si tu re-regardes la vidéo... Tu vas retrouver ton trésor dans la 5D, c'est ça en fait que tu vas retrouver là-haut. Donc s'il faut, tu as fait un programme de 11 ici pour aider les humanités, l'humanité et les humains en tant que 11, mais quand tu remontes là-haut, tes graines, elles ont continué de travailler. Donc forcément, tu te retrouves avec ton trésor énergétique, tu ne l'as pas abandonné, tu l'as juste délégué à une de tes, on va dire, de tes âmes sœurs, là-haut, qui est restée là-haut, et qui fait partie certainement de tes guides en ce moment. Tu sais, quand les gens me disent « ouais, je parle à mon guide »,
Eh bien, c'est les gens que tu as délégués là-haut pour s'occuper de ton business. C'est tout. Voilà. Et qui te sert de guide. Et voilà, peut-être que effectivement, là, quand tu vas finir cette incarnation, tu auras accumulé assez de richesses spirituelles à un moment donné pour dire, oh, mais tiens, voilà, maintenant je vais être un Christ, je me barre sur une autre planète et je vais créer ma propre création. Tu vois, c'est ça le projet. Merci, merci beaucoup. Couleur améthyste qui nous dit « Je suis ni 11, ni 22, ni 1,33 et pourtant je me reconnais tellement dans la description de ce que les maîtres nombres ont à vivre. » Donc voilà, on y revient. C'est vrai que heureusement, de ce que je vois, là, j'ai pris pas mal de questions au hasard. Là, je vérifie parce que ça va être vraiment la toute dernière, donc j'ai quand même pris le temps de lire beaucoup. Ni 11, ni 22, ni 33, mais le fait que tu sois Walk-in ou Metamova, si C'est tu es ça. forcément l'un des deux, tu es un maître aussi. C'est ça, on en a parlé déjà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se recoupent ce soir. Donc, tu as abordé beaucoup, beaucoup de Pour moi, questions. c'est pareil. Il y a pas de. C'est comme si je te disais, chaque personne qui se réveille devient un maître. Maintenant, il y a différentes façons de se réveiller. Il y a des gens qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour se réveiller ou qui n'ont pas atteint le cycle ou qui ça a aucun intérêt à ce qu'ils se réveillent. Et bien justement, je voulais te prendre cette dernière question parce que je vois que c'est la plus likée. Donc je prends la plus likée à la fin. Il me semble que c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Donc c'est celle de Adi Galia qui nous dit, donc on terminera là-dessus si tu veux bien. Je te ferai comme d'habitude le copier-coller de tous les commentaires qu'il y a eu ce soir, les questions, tout ça. Tu me diras si à un moment dans l'année, tu veux qu'on refasse un autre atelier sur les maîtres nombres pour aller encore plus loin. Question-réponse peut-être. Voilà. Ou juste un atelier questions-réponses où on reprendra encore ces questions, enfin si tu vois que c'est nécessaire, si tu le sens, comme d'habitude, hein, l'intuition. Je vais voir Alors. mon message privé Facebook, c'est ça qui détermine s'il faut faire une émission. Ouais. Je pense que en fait, je ne vais plus répondre dans mon privé Facebook et je vais juste attendre qu'on fasse des ateliers questions-réponses. Ce sera le. Tu regroupes, oui, parce que c'est pour ça, juste avant donc cette dernière question d'ailleurs, vous dire que ben, déjà que c'est l'avant-dernier atelier du mois de décembre, mais c'est la dernière fois qu'on te voit cette année, 2015, et on te retrouvera donc en janvier deux fois, donc une fois en conférence libre sur le thème, donc comment rejoindre votre idéal, ça sera le 22 janvier, il n'y a pas de hasard, encore un 22, Le titre, il et est piège. Rien que le titre, c'est un titre piège. voilà, comment rejoindre votre idéal? Titre piège, donc ça annonce tout. Et l'atelier qui suit, donc ça sera un atelier sur les pentacles. Donc ça, c'est assez en dehors, c'est hors contexte, c'est un truc en plus comme ça qui sera le 29 janvier, ce qui nous donne un 11. Fais partie des Donc. enseignements qui me sont retombés dessus sur la tête. Tu vois, un truc, tu vois, des fois, ça s'allume. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans la guérison, j'étais plutôt dans l'enseignement. Dans la guérison et dans la protection, ces choses-là, je sais que j'avais ça en moi quelque part, et ça fait partie des nouvelles infos qui me sont tombées. Et je me suis rendu compte que, en fait, je sais pas, il y a un truc sur Facebook qui part sur l'abbé Julio ou un truc comme ça, et qui parle des pentacles. Et j'ai dit, mais je sais faire ça. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un dessin il y a 3 ans, qui en fait est conçu comme un pentacle. Et que pour moi, c'était juste un dessin. Hein. Quand j'étais, tu sais, conspirationniste et que je voulais lutter contre les Illuminati, j'avais fait un symbole qui est anti-Illuminati. Tu vois? Et si tu veux, je me suis rendu compte que je l'ai vraiment fabriqué comme un pentacle. Et j'ai dit, waouh! Et tout d'un coup, quand tu remontes à vélo, c'est redescendu d'un coup. Et du coup, j'ai dit, encore une fois, j'en fais profiter les gens. Puisque les gens qui se servent de ça au jour d'aujourd'hui travaillent dans l'occulte, travaillent dans la sorcellerie. Mais non, 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 ça c'est travail de lumière, ça. Ça c'est pour mettre en lumière que tout le monde y a accès, justement pour, encore une fois, je fais des pentacles de protection et de guérison, ça ne veut pas dire que c'est le pentacle qui vous protège, c'est pour activer vos propres énergies de guérison et vos propres énergies de protection. Celles qui sont déjà en vous. Petite subtilité, mais hautement nécessaire. Hein, ça, il fallait le noter. Ouais. Voilà. Et on poursuivra au mois de février, parce que donc c'est posé, j'en parle jusqu'au mois de février. Donc on te retrouve le 2 février pour parler justement de ces contreparties divines. On verra un petit peu. Oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qui sont dites sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, tout ça. C'est ça. Les termes, en fait, c'est le français, en fait, hein. Parce qu'ils sont les Exactement. Donc tu vas nous détailler. Tu vas termes. nous détailler un peu tout ça, mais juste pour dire que après, Oui, vas-y. excuse-moi, juste pour dire voilà, juste après, on aura donc le cours par vidéo de la fin du mois de février sur les lectures angéliques de couple. Ça va être intéressant. Eh oui.
Le mois de février va être passionnant. Donc voilà, c'était pour les infos en ce qui concerne Cyril Yael. Sinon, moi, je vous retrouverai demain avec l'atelier de Jean-Michel Raoux. Le dernier rendez-vous donc de cette année officielle, ça sera demain soir, en cours par vidéo. Alors, la dernière question, Adi Galia, qui nous dit, et ça a été liké de nombreuses fois, donc il nous dit bonsoir et merci pour... merci à toutes les merveilleuses âmes ici présentes. Quand on a identifié un non-éveillé, 11, 22 ou 33, doit-on, peut-on l'aider à s'éveiller? Sont-ils tous éveillables? Encore merci infiniment, Adi Galia. Moi, je dirais que dans mon cas, alors si je peux parler de mon cas, c'est mon boulot. Maintenant, comment t'expliquer? Est-ce qu'ils sont tous éveillables? Oui, tout le monde est éveillable, tout le monde. Demain, tu as un accident de voiture, tu vois la lumière, tu vois le tunnel, tu reviens, tu es éveillé. Tu vois, tout le monde est éveillé, pas forcément que les mecs, tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est un devoir de le faire? Non. Comme je t'ai dit, c'est très difficile de réveiller quelqu'un. Moi, je ne réveille pas les gens. À un certain niveau, je leur dis ce qu'ils sont. Ça ne va pas les réveiller pour autant. Hein. Je sème la graine et j'attends que ça pousse. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu peux. Quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, je te dis, il est prêt à payer pour ne pas se réveiller. Tu sais, c'est vraiment le gars dans Matrix, là, tu sais, qui juste pour manger un steak, il demande, vas-y, effacez-moi la mémoire, je ne veux plus me rappeler de ce qu'il y a en dehors de la matrice, laissez-moi dans la matrice. C'est vraiment... Ça existe, ça. Et tu en vois tout le temps. Il y a des gens, encore une fois, tu sais, ils viennent me voir, ah, c'est bien ce que tu fais. Ils en parlent aux 20h. Ah, tant que ça ne passe pas aux 20h, pour moi, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu penses que tu peux réveiller ces gens-là? Il y a quelque chose en eux qui va se déclencher pour qu'ils se réveillent eux-mêmes. Parce que, je vais le dire, hein, aussi froid et aussi direct, mais ça, c'est mon côté un peu vertical. Hein. Là, il n'y a pas d'émotion dans ce que je vais dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté. Mais il y a des gens, ça leur prend quelque chose de grave, de très grave pour les réveiller. Je ne leur souhaite pas, je souhaite qu'ils se réveillent autrement. Mais il y a des gens, il va leur falloir quelque chose d'extrêmement grave pour les réveiller. Parce qu'il s'est tellement creux, mais là, ils sont tous éveillables. Tous autant qu'ils ont. Tout le monde est éveillable. C'est le but, hein, de spiritualiser le plus de matière. Donc techniquement, tout le monde est éveillable. Sauf ceux qui ont décidé de ne pas s'éveiller. C'est ça l'amour inconditionnel. On te donne le choix de penser que tu n'es pas aimé inconditionnellement. Donc, ça te laisse réfléchir sur le réveil. On te laisse le choix aussi de ne pas. Libre arbitre, toujours. Ouais. Toujours. Après, c'est une prise de conscience. C'est vrai que le mot éveillé, moi, pour moi, c'est plus... j'aime bien juste prise de conscience. C'est vrai que ça aide quand on dit qui suis-je, que veux-je, pourquoi je suis là, dans quelle étagère. C'est une prise de conscience. Nora. Il y a des gens qui s'éveillent et ils se renferment dans une autre matrice. Ils se réveillent et ils pensent que cet éveil, ça y est, c'est l'accomplissement. Ils savent tout. Mais non. L'éveil, c'est la première leçon, c'est la première étape de la leçon d'après. Pourquoi j'ai autant d'informations qui tombent? Parce que je les vide et que je suis toujours en position de, en fait, je ne sais pas grand-chose. C'est à chaque fois. Ce que je sais, je le sais. C'est pour ça que j'en parle. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des métanovas. Quand je sens mes limites parce que je ne sais pas, je le dis, j'ai l'honnêteté de le dire. Par contre, ce que je sais, je le sais. Mais ce que je sais avant tout, c'est que mon éveil m'a permis d'ouvrir la porte vers la salle de cours que j'ai après. Et qu'après ça, il y a une autre porte qui m'amène dans une autre salle de cours. La meilleure clé d'activation pour activer le savoir, c'est de se mettre dans la position de « je ne sais pas tout ». Et ça, ça ouvre la porte à tout. Justement. L'infinie possibilité. Exactement. Si tu dis que tu sais tout, l'univers coupe les infos, bah c'est bon, il sait tout. Si tu fais le je sais tout, la ferme-la et c'est tout, l'univers fait bon, tu sais tout, ben, t'as pas besoin de moi, ciao. Ah, mais c'est aussi simple que ça, c'est comme les gens qui se plaignent. Je peux plus, l'univers. Mais ce qui est rigolo et paradoxal, c'est qu'en plus, pour un 33, tu,
tu sais finalement cette information, tu l'as, mais elle arrive petit à petit en fait en surface. Oui, c'est ça. Ça monte en niveau et c'est une redécouverte à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui me... Des fois, mais, et d'ailleurs, ça va être dans notre livre avec Sangara, on va justement en parler. Dans le livre, on va faire une retranscription des émissions d'Il était une fois le monde, mais on va aussi parler des moments entre, c'est-à-dire les moments off que les gens ne voient pas. Et je peux te garantir que des fois, je suis en train de préparer mon émission, tu vois, comme tout à l'heure. Je préparais mon émission, là, on prépare une émission sur le vrai côté des fêtes. Tu prépares une émission, tu es en train de faire tes, tu vois, comme je fais quand je viens là, mes petits sliders et tout, les trucs que je vais mettre à l'antenne. Et puis là, boum, tu as une info qui tombe. Mais tu sais que l'info, c'est une punchline. Tu sais que le truc, c'est une bombe à retardement. Mais je me lève de ma chaise comme un gamin et je cours dans ma maison comme si j'avais marqué un but. Et à ce moment-là où l'info tombe, elle est tellement logique et tellement évidente que je ne questionne pas d'où elle vient. Qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a donné l'intuition d'aller regarder ça? Qu'est-ce qui me pousse à prendre un tore, un vector equilibrium, de le copier sur mon Photoshop, de le tourner à 90 degrés et de tomber sur la croix des Templiers? Qu'est-ce qui m'amène cette info-là? Et ça, ça ne m'arrive pas, c'est pas quelque chose que je sais d'il y a 2 ans, là. C'est quelque chose qui m'arrive la veille de l'émission, pendant que je suis en train de la préparer. Pour l'instant, voilà, c'était pour cet instant-là, c'était, c'est chaud, c'est, t'as besoin de l'info là, ok, on va te la donner, pas 6 mois avant, mais... Je sais que mon Elohim, c'est Eyael, je sais que justement, il maîtrise les sciences de la génétique, il maîtrise les sciences divines, il maîtrise les géométries divines, tout ça, donc je sais que c'est lui qui m'envoie l'info, je sais qu'il fait descendre le truc, c'est mon ange génétique, c'est mon ange physique, et il passe par Cyriliel, boum, et ça tombe chez moi. Et tu nous avais raconté que ça se passait déjà petit à l'école où tu avais des infos qui tombaient, tu avais toujours des super notes. Mais... Non mais mon bac, n'importe quoi. Hein. J'ai pas écouté de l'année, c'est un cauchemar. J'arrive au bac, il y avait un exercice sur 12 sur les probabilités, un exercice sur 8 sur... Je n'ai fait... Alors, déjà, je regarde l'exercice, je comprends les probabilités pendant que je fais l'exercice, pendant que je lis l'énoncé. Et je fais l'exercice sur 12 et j'ai 12. J'ai même pas fait l'exercice sur 8, je me suis levé et je suis parti. C'est ça, c'est énorme. Cherche pas. Donc, dites-vous que vous ne savez rien, que même si vous avez l'info en tout, vous connaissez tout, mais dites-vous que vous ne savez rien, comme ça, on vous les fait remonter, les infos, petit à petit, ou descendre, ça dépend comment ça se passe. Quoi, c'est une descente. On m'a diagnostiqué autiste, que j'avais un déficit d'inhibition latente. C'est pas un autisme, déjà, c'est un super pouvoir, le truc. Je vous dis, c'est génial. Mais bon, encore une fois... Quand tu reconnectes avec toutes les informations, c'est normal qu'elles te viennent dans un ordre logique et qu'elles te viennent de façon connectée. Si tu vas chercher ça dans les livres, tu te coupes du reste de l'information. Ça peut, lire un livre, ça peut te déclencher quelque chose, mais il ne faut pas que ce que tu as vu dans le livre devienne la vérité universelle. Quand tu regardes un gars comme Zachariah Sitchin et Anton Parks, tous les deux spécialistes des Anunnaki et du monde sumérien, il y a tellement de choses qu'ils disent. Tu vois ? Pourtant, il y en a un qui a étudié ça, le vieux, le pauvre, Zachariah Sitchin, il n'est plus là. Et tu te dis alors, lequel je crois, lequel je... Non. Et Anton Parks, ça lui est tombé dessus. Notamment le livre de Nuria qui explique qu'il a eu l'information en 2 heures de temps. Et ça a donné le livre de Nuria. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que tu en as un qui va dans le désert, qui récupère ses cuniformes et qui les décode. Mais quand tu décodes le cuniforme, déjà, il faut te mettre dans l'état d'esprit de penser dans le mindset des gens qui l'ont écrit. Oui, Anton Parks dit qu'il reçoit toutes les infos en sumérien et que c'est traduit directement. En fait, quand il est devant son PC, qu'il veut traduire en français, donc ça se traduit en français, mais il ne sait même pas comment ça se passe. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais tu vois, tu as 2 écoles. Tu as le gars qui fait de l'étymologie ou qui va faire de l'étude de langage pour essayer de comprendre. Mais c'est comme les gens. Je l'ai expliqué avec le mot Adam. Tu vois le mot Adam, tu le traduis littéralement. Mais c'est le premier homme. Mais quand j'ai expliqué justement dans l'hébreu l'énergie du mot, la numérologie du mot, le niveau syllabique, le niveau sonore du mot, tu as toute une histoire dans un mot. Mais quand tu traduis, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Alpha? It is the plain master, know and serve, now no longer a secret. Thank you, Cyril. Ouais, il fait référence à la grande invocation, justement. Le plan que les maîtres connaissent et servent.
Merci beaucoup. Merci pour votre présence ce soir. Je te laisse le mot de la fin. En partage d'écran juste à la fin, donc je vais vous partager les affiches qu'on a vues ce soir, donc notamment les chiffres, l'explication de chacun des cycles. Juste derrière donc l'affiche sur le maître nombre 11, ensuite le 22 et le 33. On finira là-dessus ce soir pour que vous les ayez tous bien classés à la fin de l'émission, pour vous éviter, parce qu'on a fait 3 heures d'émission, donc pour vous éviter de rechercher les petits bouts et les affiches par-ci par-là. Je vous réunis tout ça à la fin. Voilà, moi je vous fais un énorme bisou. Merci d'avoir été présents aussi nombreux ce soir. C'était passionnant. Je vous remercie beaucoup. Un gros bisou perso à mon grand frère Karim, hein, voilà, pour le coup, qui a découvert ce que je faisais il y a quelques semaines, et il y a peut-être deux semaines ou 3 semaines, et qui se retrouve aujourd'hui à savoir que c'est un maître nombre 33. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Et puis, il n'y a pas de hasard. Et puis, à son ami Laurent qui a lié tout ça. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. Et un gros bisou à Stéphane Coll qui était parmi nous, ainsi qu'à l'équipe d'LGC. Et merci à toi, Cyril Liel, pour toutes ces infos, pour tout ce temps et de nous permettre d'avoir toutes ces infos, surtout sur des cours par vidéo à prix libre. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est juste super sympa de ta part. Voilà, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Passez de bonnes fêtes de fin d'année si vous ne me rejoignez pas demain avec le dernier cours avec Jean-Michel Raoux. Donc, très bonne fête à vous et on se retrouve l'année prochaine pour certains et à demain pour les autres. Gros bisous. Je te laisse la main, Cyril Liel, je t'en prie. Mais écoutez, encore une fois, c'est intense, hein, comme d'habitude. Je vous avoue qu'avant l'émission, j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment vidé. J'étais pas dans les bonnes énergies. J'étais dégoûté, pas de faire l'émission, mais de tout ce qui se passe. Mais sincèrement, juste le fait, vous voyez, de reconnecter, de remonter en vibration grâce à vous, puisque c'est vous qui me maintenez dans ce niveau de vibration. Ah ben franchement, là, j'ai la pêche, je pense que je vais aller faire un foot dans le noir, là, en face de chez moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, ça me fait plaisir de vous partager ça. Encore une fois, je ne demande pas à être validé ou être reconnu comme une référence ou quoi que ce soit. Je vous partage ce que moi, j'ai reçu. Et je le fais parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Maintenant, chacun prend ce qu'il veut. Chacun met de côté ce qu'il veut. Ça reste encore dans une logique. Je ne vois pas à quel moment je suis sorti de ma logique. Je suis toujours resté sur ma ligne. Et j'y resterai, comment dire, je resterai là-dessus. Je resterai toujours sur cette lignée parce que c'est mon alignement. C'est un travail que vraiment je prends cœur à faire, qui fait partie de, je fais ce que je suis ce que je fais, et voilà, il n'y a rien qui pourra m'arrêter, à part voilà, quoi, la grande faucheuse. Mais disons que quand ça sera mon temps de partir, je partirai, j'aurais aimé ce temps sur cette planète. Mais en tout cas, pour les maîtres, pour les gens, moi je ne suis pas là pour créer des suiveurs comme ceux d'avant, je suis là pour créer des gens comme moi qui vont m'aider à faire ce que moi je fais. Et que ce que vous êtes tous capables de faire, vous êtes tous capables d'atteindre cet éveil, vous êtes tous capables d'être des maîtres. Et plus on aura de maîtres là-dessus, et plus on arrêtera de se la faire mettre par ceux de l'autre côté. Jeu de mots. Il n'est pas très... Hein, mais... Je l'aime bien celui-là. Bien, hein, ça reste coco. Hein, et non, joyeux c'est... Noël. Joyeux Joël à tout le monde. Ah, il faut toujours qu'il en place une, il ne peut pas s'empêcher. Tu m'as tué là. Non, t'as vu, il n'a pas pu s'empêcher. C'est parti tout seul en plus. Hein. Il fallait que Coco il finisse. D'aller dans la rampe, ça. Les jeux de mots, on est toujours donc en direct, hein. Je vous partage les affiches. Hein. On sait bien qu'on est en direct, qu'on est connecté, pas de souci. On vous fait partager. Mais c'est ça c'est les contrepétries, les figures de style. Les gens disent que voilà, le hip-hop, c'est pas bon. Enfin, moi, je faisais du R&B en même temps, j'étais un chanteur pour femmes. Mais bon. Voilà, les 22, c'est beau. Les 22, c'est mes poteaux. Hein. Mes meilleurs poteaux, c'est les 11 et les 22. C'est bizarre. Ouais, comme quoi. Non, c'est les 1 et les 22. J'adore les 1. Tu sais, parce que les 1, t'as rien du 1, en fait. Il est là, il est juste là. Tranquille. Voilà. Les meilleurs potes. Voilà, les 33. Les 33. Et voilà. 33. Voilà. Dites 33. C'est pas pour rien. 33. Voilà. Ouais. Bah, merci à vous tous. On vous fait un énorme bisou. Hein. Je te remets un petit coup de Cyril Liel. Allez, je vous remets un petit coup de Cyril Liel. Hop. Un petit bisou à toi. Oui, je sais. J'y ai pensé avec mon esprit tordu. Allez, ouais. Ça c'est fait. Merci beaucoup à tous. Le carré blanc là, madame. Hein, on passe sur la version pour adultes. On ne se cache pas, on est ce qu'on est. Hein, faut arrêter que les gens disent « Ah, oh, mais c'est un ange. »
Non, non, on est ce qu'on est. Surtout elle. Surtout elle. Bisous à tous, au revoir. Merci. Allez, bye bye.